Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 23 juin 2019. Au sommaire de cette édition, dans le cadre de la Coupe d'or de la CONCACAF, Haïti rencontre demain lundi le Costa Rica Red Bull Stadium, Harrison, New Jersey. Une soirée de gala est prévue pour le 29 juin prochain à Platt Catering, Franklin Square, New York, pour commémorer le 188e anniversaire de Pétionville. L'Association Haitian American in Action organise le 29 juin prochain à Carnegie Hall un grand spectacle au profit d'un projet contre l'esclavage d'enfants en Haïti. L'association Friends of Okai organise le 18 août prochain à chez Mirel, gelé à New York. Comme invité ce matin, nous avons le docteur Jean-Robert Chéry et Roland Ligondé. Comme invité, nous avons également l'ingénieur Rossini Bozil, le docteur Jean-Wilfried Aldinor et Master Beauplan qui nous parle politique haïtienne. Nous aurons également comme invité le docteur Jean-Robert Chéry qui nous parle Green Tree. Comme dans la section éducative du programme, nous aurons Guy Bousseco qui nous parle achat et vente de maison, le docteur Jean-Édouard Fayette et qui nous présente une section sur les problèmes médico-dentaires. Et Francis Yvonne dans sa rubrique Connaissance, c'est pouvoir. Guillaume Bagayou et les jalousies, les cafés ont fait n'importe bagaille. Mais dans le cabanon, c'est pas jalousie. C'est juste les mêmes. Pour moi fini
Yo di affection non fini. Menti chérie, menti. Yo di relation non fini. Menti chérie, menti. Mais cause a peu la vie. Menti chérie, menti. Yo di monde l'amour non fini. Menti chérie, menti. Oh, yo di mon gué en bas la vie. Menti chérie, menti. Yo di mon première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8h du matin, même si je rentre à 5h du matin, il faut m'ouvrir la télévision pour me regarder Haïti, première classe, number one. Dans le coin politique américain, nous avons eu le Dr. Joam Réjoui, qui a été détenu depuis une barre. Et nous avons eu le sujet, nous avons eu le capitaine nous là. Et Dr. Réjoui, ce matin, nous avons eu le président Trump fait lancer la campagne réélection dans la Floride, qui vont évaluer. Et monsieur, et campagne, capacité monsieur pour le fond deuxième mandat. Bon, pratiquement, ce n'est pas une surprise du tout que le président a annoncé que la courir, parce que depuis après le fin gagné, il a commencé à faire campagne. Et depuis après le fin gagné l'élection, il a tout rempli papier pour l'élection 2020. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment étonnant. Mais ça qui gagne la dernière, c'est que nous voyons que le gouvernement, l'élection, est très intéressant pour le côté démocrate. Parce qu'il y a 24 candidats démocrates qui voulaient courir contre le président Trump. Donc, vous regardez tous les 24 candidats, ça, qui est ou en tête, tout, même deux ou trois, vous pensez qu'il y a gagné pour parler de président? Bon, pratiquement, là, et sous regard des débats, ça a fait dans ce moment-là, il y a 20 candidats qui n'ont pas participé dans le débat. Et que il y a 4 qui pas participer dans le débat parce que yo pas fait poids assez. Vous comprenez? Ça veut dire que les grands pile candidats comme ça et c'est comme ça président Trump est sorti, tes grands candidats en pile monde capable gain droit passer par la foule et puis il pas gain chance gain élection monde qui devant qui fait bruit, il gain droit pas lui qui monter dans primaire pareil. Dans ce cas, il est difficile pour dire qui est-ce qui a gagné dans primaire là surtout que nous beaucoup même près premier vote yo même. Je pense que ce débat qui a fait dans la semaine ça est très intéressant. D'ailleurs, au premier jour, là, le 26, c'est un débat qui a fait Cory Booker, qui a fait Elizabeth Warren. Son débat qui est très intéressant. Et puis, dans le débat groupe poids lourd qui a fait dans le 27, qui a fait Biden. Buttigieg a gagné une série Kamala Harris a gagné Sanders laisse ça vous comprendre yo pas commencer mettre idée dehors côté que monde public là a gagné chance tendre directement des candidats qui position et à partir de là nous ka commencer faire un jugement de qui direction et jusqu'à présent nous et jusque là même nous obligé tendre que premier vote yo fait
parce que nous pas jamais connaît parce que le président Obama était couru tout le monde pas prendre au sérieux même dans premier débat président Obama président Obama pas ton équipe fameux dans premier débat oui mais là n'a pas de tout candidat qui sont pensent son candidat t'adoué dit qui va le faire démarquer le tout point devant dans ligne bon pour le moment je pense ça qui pour faire un candidat démarquer de groupe ça là qu'on y a là c'est vraiment commencer montrer côté que faiblesse président Trump mais pas faiblesse président Trump qui a parlé tout en dans média mais plus faiblesse président Trump par rapport à besoin population américaine parce que malgré tout bruit qui fait avec président Trump monde qui pas satisfait à gouvernement toujours continuer pas satisfait différence que président Trump t'a fait il était pas long langage que qui était capable de communiquer directement avec monde ça pas satisfait. Et jusqu'ici par exemple un candidat qui a fait ça. Point fort d'après même que président Trump a porté avec lui dans campagne là. Je pense que président Trump déjà dit qui ça campagne lié, il parlait dans les ouvert campagne à la semaine là, il dit que et nous pas tant aimer pays à vivre nos pays socialistes. Il dit que pas la Sanders. Bon, il pas la Sanders seulement parce que il mettait tout démocrate et que ici aux États-Unis des pour des socialistes vous comprenez li choquer population parce que population vraiment on certaine peur de régime ou idée socialiste vous comprenez malgré que à chaque fois que gon bon en avant qu'a fait c'est dans politique socialiste un parti socialiste que yo fourer mais yo prend que c'est président Roosevelt et même rivé juste sous président Nixon l'élite et fait bah pour tout monde en tant que programme oui que bah ça OK fait tout programme c'est programme qui que parti socialiste américain t'est avancé vous comprenez mais avec le temps langage a commencé à changer grand pile monde par exemple Hillary Clinton pas voulait parler de concept socialiste il était parlé de concept progressiste et c'est là qu'on y a quand parle après l'intéressant là que ou gon mon tant que Joe Biden qui parle parler de idée progressiste et puis président Trump lui-même qui parle répondre à idée socialiste et qui impact ça parle gagner sur l'électorat et sur le plan par exemple dans le web, par exemple international situation en Iran qui a développé là est-ce que vous pensez ça son gros challenge pour président Trump non? Bon par contre c'est son gros challenge pour président Trump parce que y a un gros problème qui gagne avec et question Iran c'est que il n'est pas clair qui ça président Trump besoin accompli vous comprenez président son politique comme si qui pas clair même il dit il pas dans et accord nucléaire que Obama a signé avec Iran il retire américain accord là il pas proposé une alternative il pas fait le clair il dit t'a remet par l'Iran mais il pas dit qui ça t'a remet discuter à Iran il accusé Iran que Iran a déstabilisé zone en Moyen-Orient mais déstabilisation était déjà là so pratiquement il pas clair ça qui bail en pile à réfléchir sur question en Iran c'est le fait que nous on menace on jouait petit dife voler qu'a fait dans détroit d'Hormuza une zone qui très dangereux et que américain pas aucune crédibilité pour expliquer qui ça qu'a fait là yo pas fait gouvernement américain en confiance allié américain yo même yo dou yo gen tout doute sur ça gouvernement américain lui-même en particulier comme action qui prend Iran descend un drone américain et les Iran descend drone qui réponse et allié américain américain a provoqué Iran et que kounya yo ta remet que américain pour un recul pour yo si yo ka discuter pour ou si yo te ka désamorcer situation. Donc nous une situation qui est extrêmement intéressante. Mais puis il va venir trouble président Trump là parce que ça veut dire s'il perd du support allié dans question ça. Bon, on pas quoi déjà, il pas gagne support allié pour commencer. Mais côté problème nan vin un petit jan pi compliqué, c'est le fait que personne pas connaît qui sa président Trump voulait accomplir. Parce que en termes de politique étrangère, administration supposée articuler, mais qui côté me voulait aller, mais qui ça me d'aimer accompli, mais pour qui ça un tel pas fait tel bagage, mais pour qui yo simplement dit yo pas d'accord, mais yo pas dit mais pour qui ça yo pas d'accord, mais qui ça yo t'a remet ouais, mais qui alternative, yo pas proposer ça du tout, tout le monde confus.
Mais là, on a regardé par exemple position avec la Russie, position avec Corée du Nord, et il y a un pattern que le président Trump pas tellement agressif pour montrer la force américaine. Président Trump a un penchant pour un gouvernement autoritaire. Et parfois même un gouvernement totalitaire. Tant qu'on parle de Corée du Nord, son gouvernement totalitaire. Mais là, on parle de la Russie ou bien on parle de Turquie, par exemple. Ou bien l'Égypte, c'est gouvernement autoritaire, côté que un homme fort qui impose sous population. Par exemple, Turquie, qui a son situation très intéressante, côté que la Turquie, qui sont alliés américains, qui n'en est pas, besoin d'acheter des armes, l'acheter dans la Russie. Waouh! Est-ce que par exemple. Le gouvernement va dire rien. Le gouvernement américain, pourquoi les gens disent rien? Pourquoi les gens font protestation? Un champ totalitaire que le président Trump a gagné pour les pays qui ont un régime totalitaire. Est-ce que peut-être ça n'a pas peut-être un ZAM dans les démocrates qui peuvent attaquer le président Trump? Je ne sais pas. Parce que nous avons tendance vers régime autoritaire ou bien personnalité autoritaire. Ça, d'ailleurs, c'est personnalité président Trump. D'ailleurs, on s'en est qui très autoritaire. Mais nous, ouais, que les républicains ont toujours une position ça par rapport avec Vladimir Poutine, par exemple. Yote, nous, dans les médias, tant que Fax, il y a un peu de monde qui est convenu, ils disent ça. Poutine, puissant mon leader que Obama. Vous comprenez ça, M'Dola? Son penchant, ça, t'es toujours là. Ça qui est différent qu'on y a là, c'est le fait que nous, ouais, que avons un segment de la population qui montre très favorable à concept un système autoritaire ou bien une personnalité autoritaire, même là que n'a parlé d'un monde qui ont ennemi américain tant que Vladimir Poutine. Par exemple, les chances président Trump là, il travaille là d'abord. Bon, bah vle spéculer sur ça, mais président Trump gain chance li, vous comprenez, parce que nous pas connaît président Trump tap même président. Ni président. Il fait 4 ans. Grand pile problème là, nous pas penser président Trump t'a fin fait 4 ans là. Mais semble là non seulement l'a fait 4 ans là, impossibilité qu'a font l'autre 4 ans encore. D'accord. Nous obligé attendre. Merci docteur. Un plaisir. Haïti première classe. Qu'est bella. Dans le final home prend en charge tout problème qu'a gagné en cas de mortalité. Planification funéraire, transfert quoi à Haïti ou aux États-Unis, arrangement pour résident Haïti vient enterrement pas Boise. La 736 Clinton Avenue Newark, New Jersey, 973-399-6301. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette offre un pile service tel que rachis dents, cleaning, plombé dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Le restaurant-bar La Baguette d'Or Bistrot vous accueille pour tous vos événements. Meetings privés, baptême, communion, anniversaire, La Baguette d'Or Bistrot, c'est une cuisine créole de grande qualité dans un cadre exceptionnel. La Baguette d'Or Bistrot, 214 North Main Street, Spring Valley, New York. Extra Supermarket offre en pile variété produits alimentaires pour tout haïtien dans New Jersey. Bon en fruits, légumes toute qualité, viande fraîche, bon en bouche, ça fait extra, très coûtois. 563 Central Avenue East Orange, 327 Lands Avenue Irvington, 719 Irvington Avenue Maplewood, 973 378 37 75. En forme. Yeah. Uh-huh. Donc vous venez bouiller dans cette analyse-là? Oui. Sommes les Indiens. Ouais, moi c'est mon plat petit homme, Colette. Avec lui bien. Là, chaque dimanche, je regarde la télévision. Là, c'est observé vous d'ailleurs. Ok. Donc vous venez après cette analyse-là? Oui. Qui est cette Antoine? Faites là. Non. Moi-même, moi j'étais dans Jersey. Jersey. Ça est dans l'islam, il est là. Vous venez la prière? Oui, oui, venez la prière. Qui sont mon désir là? Sont mon désir. C'est bien. On connaît, on a oublié. D'accord. Bon, avec nous, on a un grand footballeur Fritz Plantin, là, et on a un ancien sélectionné national. Et nous, elle, monsieur, vient prier dans cet endroit-là, Isa? Oui, mais il faut une prière. Nous sommes obligés de prier. Chaque année, nous sommes obligés de venir dans la prière. Saint-Jean vient de faire un petit peu là. On te demande, parce que quand tout haïtien a cherché, nous demandons, premièrement, que nous demandons pour Saint-Jean. Ballon libération avec pays nous qui a un petit problème qu'on a comme les positions ouvertes sur le zone.
Donc, qui joue un problème pays en général? Bon, chaque monde capable de faire un pays différent. Parce que nous demandons nous-mêmes pour le peuple haïtien qui vit à l'extérieur, pour nous avoir conscience de pays. Et même dirigeants qui dirigent le pays, tout pour le pays, on tire un petit chance. Parce que tout le pays a fait avance. Mais pour ça, c'est bac que nous faisons nous-mêmes. Que nous demandons pour le bas. Il y a une lumière, il y a assez de lumière, il y a voyagé, il y a des gens qui ont fonctionné, pour ça ne va pas fonctionner, mais il y a tout le pays. Vous avez des panneaux qui peuvent faire back tout le temps, que vous demandez pour faire en chance pour faire avancer. Now, qui ont des revendications, qui ont des billets, le pays en général, qui sont correctes de faire comme solution? Bon, on est ensemble pour faire. C'est-à-dire que Chita, mettez-vous ensemble, Chita a fait tout le pays à avancer. Tout ça ici est noué, ça ici est noué, mais tout le monde c'est mon échappe. Ils sont différents de langage seulement. Américains parlent anglais. Pour qui parlent les paroles, nous parlons créole nous-mêmes, c'est même bagarre. C'est tout Chita fait, on tire avant, on Chita met tête nous ensemble pour écouter le pays va arriver, parce que le pays n'a pas arrêté les gens là. Il faut que le pays fasse avance. Même nous-mêmes à l'extérieur, oui, c'est que nous avons mangé nous, de nous pays en détresse comme ça. Oui, mais et vous dites que vous n'avez pas de chance à l'enterrement. Bon, moi, je n'ai pas de déplacer, ça fait mal, considérer que c'est que je suis caché du fait que je n'ai pas à l'enterrement. Coéquipier, moi, frère, Zamim Guy François. Bon, moi, j'essaie de parler avec les amis, ils disent que tout va bien passé au Canada, le consulat est déplacé, que là, ils font un bel discours pour un international qui est perdu, on voit qu'il est tombé, qu'ils font un bel bagage pour lui, ils font un bel parler, ils font un bel râler sur Guy François Mouria, son internationaliste, qui est très plaisant, que tout le monde connaît Guy François, son équipe plaisante dans la sélection, hein, jouer Violetto. Bon, monsieur tombé qu'on est là, bon, ça fait nous tout mal, même j'ai timon de ça. Mais qui gens nous vivent, gens football haïtien avec vous actuellement là, en tant que sélectionné? Bon, nous-mêmes, c'est ça, nous tous, nous continuons à nous parler. Il n'y a pas une petite chance que NEC 74 pour ta même une petite chance pour entraîner la sélection. C'était désir par nous tous, joueurs 74 pour nous, nous là-dedans, que nous te font passer. Mais nous avons des mondes valables qui sont dans la sélection, qui sont dans la sélection. Parce que pour le cas de M. Mario Léon, ils ont même vraiment qu'il était capable d'entrer dans la sélection. On n'a pas de chance pour ça. Même pas qu'on est si président de la fédération, on a un problème avec Jeux 74, mais nous-mêmes, nous n'avons pas gagné avec. Mais Dadou compte tout jouer bien. Il compte jouer bien. Parce que Dadou, en 73, Dadou seulement toute la journée, c'est l'hôtel là avec nous. Bon, Dadou est président de la fédération. Dadou n'a pas fait accord avec Jeux 74. Bakon, pour c'est quoi raison pour ça? Bon, pas qu'on raison. Il a une raison, mais nous n'avons pas qu'une raison qu'il gagne. Parce que moi-même, en Haïti, je suis sélection déplacée pour le Saint-Domingue. Moi, je déplace avec sélection à accompagner le Saint-Domingue. Parce que c'est sans cap pour les moyens sélection à perdre comme ça. C'est-à-dire que je ne vais pas garder la sélection à jouer. Parce que les sélections à jouer au match football, je garde que la sélection à perdre sur le match football, qui n'est pas admissible. Que c'est sans cap pour les moyens, je ne vais pas garder l'équipe haïtienne à jouer à jouer. Donc vous pensez que en fait force, énergie, expérience et sélectionnée ont une contribution qui va exploiter? Bon, ça arrive, bon, ou une sélection nationale en Haïti, qui pense sélection nationale? Si c'est joueur ou apprend à l'extérieur pour jouer, ou pas besoin de sélection nationale. Si une sélection en Haïti, cap entraîner, une sélection, c'est ce qu'on appelle sélection nationale. Ou pas besoin de les jouer. Nous-mêmes en 1974, nous étions seul joueur qui a joué à l'extérieur, c'était William Nazaire. Que il avait des années là joué avec nous, nous pas de aucun joueur qui a joué à l'extérieur. C'est nous tous en Haïti, nous avons une sélection valable ou une sélection haïtienne qui fait notre chance de arriver dans la Coupe du Monde. Mais quand il y a là, le gars dit, petit monsieur, il y a une deuxième division en Europe, le gars dit, petit monsieur, il n'est pas même qualifié comme troisième et vieux catégorie. Et puis c'est, on a voulu chercher. On a voulu chercher, mais pour qu'ils soient en sélection nationale, ou à préparer une sélection nationale, ou un entraîneur fédéral. Mais pour qu'ils soient fait toute bagaille, ça, au grand section nationale. Ou pas bien, je vais à l'extérieur. Un message pour Dadou? Bon, pour bien dire que je dis Dadou, que Kounia là, bon, tout le monde a complaint de lui-même, de je n'ai traité football en Haïti. Parce que, il y a un championnat là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pied. Retourner avec Coupe Radel encore, ou avoir un résultat. Lorsqu'il y a des bons pouvoirs, ou à fond maintenant stade là, pas de 20 monde dans le stade là. Pas de 20 monde. L'eau à jouer à l'extérieur, c'est difficile pour joindre 200 monde, 300 monde. Et on va payer terrain tout pour qu'ils soient payés en terrain, ce qui finit payer déjà. Mais chaque match, on va oublier payer pour terrain. Mais pour ça, pour ça. Wow. Donc, bah, c'est un crasé. Non, bah, c'est un crasé. Tout joueur football, n'a pas gardé football. Tout le monde est haïtien. Moi, t'as aimé, ouais, équipe haïtienne. Là, on ne peut pas jouer nous-mêmes. Pour nous arriver en 74, pour le 74, le peuple haïtien, victoire, ça, nous devons noter pour tes drapeaux. Nous avons fait des sacrifices.
nous faisons sacrifice. Moi-même, dès qu'on boit, dès qu'on fume, grand pile qui qu'on a des ordres, des dames, nous faisons sacrifice, nous concentrons nous pour nous peuple là. Peuple haïtien, on joue pour te parler, pour te dire, on joue sélection haïtienne dans le drapeau à te flotter à Munich. Mais quand on est en bas, côté drapeau sablé, on ne peut pas flotter à aucun côté encore. Parce que nous n'avons pas de dirigeants, fédération, pape travail pour le football en Haïti. D'accord, merci Plantin. Merci. Tout ça veut dire que je vous dis, c'est normal là, c'est dimanche passé, c'est fait la terre. Bon, oui, dimanche passé, alors avant que je ne vais plus loin avec vous, moi-même, j'ai dirigé. Ok. Je me présente qui dans la communauté pendant près de 50 ans, 51 ans. Et je viens d'activité ça très souvent, chaque fois qu'il y a un pèlerinage Saint-Antoine, je viens. Alors c'est un plaisir pour moi aujourd'hui là, pour me camper dans mes couvres, pour me dire deux mois la communauté haïtienne. Là. Et je pense que vous-même, vous êtes capable d'apprécier l'intervention dans tout. Bon, je vais me camper. Par exemple, vous venez dans Saint-Antoine depuis des années. Qui sont tendance là. Bon, c'est-à-dire que il y a plus de discipline qu'on y a. OK. Plus de discipline par rapport avec gens qui ont fait avant, mais qu'on y a certaines restrictions que autorité dans zone là qu'elle met. C'est pas que nous tape agi mal parce que ça bot. On est bon ici, bah il fait un gens que c'est sous loi ça on a marché là qu'on y a là. OK, non, mais il y a moins monde, on veut dire. Bon, ça dépend de l'or venir. Oui, il y a moins monde. Tu comprends, il y a moins monde. Mais quand même, parce que les gens viennent pour plusieurs raisons. Il y a des fois, les gens viennent pour Rara, Ron Mizamdolan, qui est partie intégrante de FIPA, nous-mêmes, qui n'ont pas empêcher ça. Mais qui viennent pour la prière? Pour la prière, et comme moins d'eau par rapport avec les restrictions que vous mettez, il y a moins de dérapage. Ok. Okay. Non, dimanche passé, il était fait là. Qui a bien senti dimanche passé? Bien senti dans belle ambiance. C'est grand pile monde. Que t'es grand pile monde, machin pile monde vient de manger là. Et que bon, réellement, t'es ambiance était plaisante. Okay. Il était agréable. Mais en général, le dimanche après, il est toujours comme ça. Quand... Bon, dimanche après, yo, c'est même avec l'heure habituelle, la fête. Fête bon, la caille, nous. Fête sodo, où on est après 16 juillet, qui fête mon carmel, où on n'est pas besoin de même quantité de monde. Parce que depuis la veille fête, là, monde commence à empiler bagayo il leur fait prendre mes 16 juillet et puis monde plongé Haïti première classe kembe là 28 juin cap vinn là Greenchi a déposé dans New Orleans donc Greenchi qui ordinairement allait en Haïti semble à cause de situation l'autre bois pontien et cat Haïti et matin pour capable comprendre direction que Greenchi a prendre avec nous docteur Jean Aubert Chéri docteur Chéri et donc on dit Greenchi et 28 juillet c'est New Orleans voilà. Bien, 28 juin, excusez-moi. 28 juin, 28 juin, non, pas 28 juin. Bien, on a profité pour nous saluer tous les amis téléspectateurs Haïti Première Classe. C'est un plaisir pour nous avoir là. Et tous les amis qui sont ensemble avoir là dans le studio, pour nous saluer. C'est un plaisir pour nous là. En effet, 28 juin, on a fait New Orleans. Et comme on bien dit, Green Tree est fondé dans le sens seulement pour l'Haïti, pour la côté et apport économique à pays. Ainsi donc, nous faisons 9 voyages en Haïti de 2014 à 2018. Bien, à un moment côté que nous te pensé que nous étions capables de faire même nous deux voyages, mais en fait nous faisons 9 voyages, c'était réellement considérable. Alors considérer combien de monde qui participait dans le voyage avec nous, juste pour nous un rapport économique à pays. Mais quand nous avons le dos, nous pas payer dos. Nous pas le dos, non. Malheureusement, nous sommes obligés de faire camper. Quand nous avons voyagé de l'autre côté dans le Cuba, nous avons New Orleans, nous avons local qu'on a plus, et puis nous avons international tout, nous avons le Cuba, nous avons le Costa Rica. Mais nous avons tant pour nous, l'autre année. New Orleans, c'est le premier step. Donc pour qui ça? Pour New Orleans? En effet, nous choisissons New Orleans pour nous faire un petit voyage local. Parce que là, en général, nous voyageons dans Cuba et puis Haïti. Mais cette fois-ci, nous voyageons à New Orleans parce que nous sommes capables de dire que New Orleans est une sorte de rapprochement culturel et historique. Parce que nous connaissons qui sont Louisiana, le state de Louisiana, représentant dans le domaine international. Parce que nous connaissons à cause de la guerre qui existe entre la France et puis l'Espagne, l'Angleterre, Haïti, même si c'est à la tour, qui est à la Thank you.
américain à cause de la guerre qui a fait que Napoléon a pris contre la Caraïbe. Alors, qui aimerait faire connexion ça entre magistrat Louisiane et New Orleans avec magistrat au Cap-là? Mon cher, c'est dans news dernièrement, tu as appris que le maire de la ville du Cap-Haïtien est rentré à New Orleans avec un délégué à la tête d'une délégation, côté qui était une forme fusion entre deux villes, ça, et les villes sœurs. Et Louisiane, et New Orleans et puis le Cap-Haïtien. Okay. Donc, il y a une sorte de rapprochement historique qui est entre deux villes. C'est comme d'ailleurs deux petits mondes qui fêtent à la naissance, ils se séparent. Okay. Ils se séparent à la naissance, l'un fait dans la zone nord de l'Amérique, Amérique du Nord, et l'autre là était dans la Caraïbe. Ça qui était dans la Caraïbe, c'est Cap-Haïtien. Donc, l'autre là même vient ici, donc ils grandit, l'un pas de contre l'autre. Mais qu'on y a un rapprochement qui fait entre deux meilleurs aïeux, ils ont rencontré et puis ils font une délégation qu'on y a pour développer le tourisme entre la ville de New Orleans et la ville de Cap-Haïtien. Importance. Donc, importance, ça nous pensait que pour avoir une sorte de agrandissement dans le sens touriste, pour être capable de faire peut-être développer l'agriculture un peu, et c'est ça qui a parlé dans la délégation qui est rentrée là. Donc, puisque nous-mêmes, nous avons une situation, ça, et puis nous pensons que l'important pour Green Tree lui-même, qui a fait voyage touristique en Haïti, comme nous faisons 9 voyages dans l'espace de 3 ans, et 4 ans nous faisons 9 voyages en vertu de 2 voyages par année. Donc nous pensons que c'est une belle opportunité pour nous-mêmes pour nous rentrer dans New Orleans. Est-ce qu'il y a un pile d'intérêt beaucoup d'Haïtiens pour aller dans New Orleans? Certainement, il y a un pile d'intérêt. Déjà nous rentrons en contact avec plusieurs organisations dans New Orleans, c'est nous arrivés là. Donc, voilà. Et nous t'invitons d'ailleurs, nous t'invitons pour être capable de faire voyage avec nous parce que c'est merveilleux. Sauter aller avec caméra Haïti première classe pour aller à Haïtien qui a l'autre bois. Parce que Haïtien dans tout domaine l'autre bois. Gagne dans touriste à tout, gagne dans taxi à tout. D'ailleurs, c'est m'employer avec Haïtien pour nous faire voyage. Wow. Bon. Même dans le bateau rouge, c'est Haïtien qui va mener nous aller l'autre bois. Donc nous pensons que nous allons passer de moments très agréables l'autre bois. Et vous dites après, et bâton rouge après New Orleans, nous prenons Cuba. Nous avons rentré Cuba le 12 juillet. Wow. Et nous avons fait du 12 au 20 juillet. Dans le cadre de voyage non, qui était planifié déjà, on est en nouvelle voie. L'impression en fait, c'est que c'est même mon calé, New Orleans, ah, ou le Cuba. Même mon, toujours, il y a qui parle toujours. Mais ouais, tout le monde qui est avec nous, ça qui est important avec Green Tree, nous créer toutes les fois qu'on voyage avec nous, vous ne pouvez pas venir doubler pour une famille. Ensemble, parce que tout le monde qui a l'envoi Green Tree avec nous venons former un lien de familiarité. Okay. Et puis, depuis qu'on voit une patate mérite, ou est-ce qu'on a avec nous fois ou pas, je ne parle pas. Vous savez, dernier voyage, nous sommes en Haïti. Vous savez comment voyager, c'est belle. Donc, de vous voyager avec Green Tree une seule fois, vous n'avez pas envie de voyager avec nous encore. Après Cuba? Après Cuba, on a pris Costa Rica. Même groupe là toujours. Même groupe là, du 7 août au 14 août. Alors, forme de temps. Ça veut dire que vous avez besoin de l'argent? Non, pas tellement, mais quand même, c'est mon gens qui comprennent la nécessité. Puis yo enjoy life parce que c'est un seul jour gain pour vivre pas gain de non bien entendu parce que en pile monde ça d'ailleurs gain qui fin travail gain qui retire gain qui presque la l'antipode de retirement là gain tout qui pensait que la vie c'est pas salaire seulement le travail et me tout dit mon ça tout les m'a fait radio chaque dimanche tout dit la vie pas seulement al travail rentrer la caille dormir manger non faut enjoy life là parce que c'est toujours bon pour revenir dans un resort pour chita pour coucher ou apporter petit jus pineapple baou un petit pina colada au coucher sous plage on prend bon jambon donc ça revigorer ou réconforter eh bien il fait en fait sur le plan de santé que vous sentez un petit jambon isolé donc là n'a pas tout en Haïti ça va dépendre de ça qu'a fait l'autre bois pour nous et bah tête en bas dans pays d'Haïti donc nous souhaiter que très bien attends d'avoir manger bon non bon capable pas gagner un peu de bagaille non mais attendez c'est tout Haïti qui en effervescence qu'on y a. C'est pas seulement bon ouais comment le sud frappe là c'est raison le sud frappe en pile là c'est aussi le nord la Tibonite nous voit tout ça qui a passé n'a pas un côté en Haïti qui pas victime de ça qu'a fait qu'on y a là donc nous pensons que bon travail qui pour fait et travail ça dans les masnet Abdullah faut que bon tête ensemble si pas gagne tête ensemble ça avec une sorte de conscience et on a qui dit ça dans la musique là Haïti c'est problème c'est conscience c'est pas gagne si bien conscience gagne l'argent hein et conscience qui pas gagne. Toutes les fois, il est capable d'unir les deux, ni conscience et l'argent, on va pouvoir payer. Mon téléphone Green Tree, pour si vous êtes intéressé. Le téléphone Green Tree, c'est 347-220-2203 ou bien 917-776-4617. D'accord. Merci, Doc. Merci beaucoup. Okay, good. Bye-bye. Haïti première classe, bon kishoy! Avec vous, Guy Bossico, pour des conseils sur les achats et ventes de maisons. Amis téléspectateurs, encore une fois, bonjour. On a continué avec segment et transactions immobilières, ça veut dire acheter, vendre caille, que nous avons commencé dimanche dernier. Jeudi, on a continué avec mortgage paiement. Qui s'acclame mortgage paiement, le paye mortgage. Raison qui fait nous continuer avec ça,
c'est parce que nous avons besoin de comprendre en sac le mortgage paiement, là nous pour aller le nous pas payer au mortgage pour nous connaître qui sac des fois qui cause paiement nous monter, paiement nous descendre. Et puis encore nous ca connaître qui différence qui gagne le on a parlé de un intérêt qui fixe et un intérêt qui variable. OK, alors qui sac le mortgage paiement? Mortgage paiement gagne essentiellement quatre parties. Première partie à l'opé au mortgage, première partie à c'est principal qui a réduit gon partie dans paiement calé pour réduire principal ou te prêté. Gon l'autre partie calé pour payer intérêt sur coblan ou te prêté. Maintenant, deux parties ça yo qui est les principal et intérêt et principal alors, yo pas jamais monté pendant 30 ans si ou te gon mortgage fixe. Mais si vous avez un mortgage à taux variable, ça nous est variable ou un, des fois, il monte, il descend. Mais le plus souvent, il monte. Parce que tant que taux d'intérêt a monté, il a tendance à monter. Maintenant, l'autre partie, l'autre deux parties qui ont un mortgage paiement que vous avez payé, c'est property tax, taxe de propriété et assurance. OK? Taxe de propriété et assurance, il a toujours monté. Parce que ça qui fait taxe monter, c'est le citoyen monter taxe sur caillou. Et comment citoyen déterminé pour monter taxe sur caillou? Le citoyen a un budget. Pour le payer budget, c'est à partir de taxe, propriété qui gagne taxe. Il a qu'à taxer la juridiction. C'est à partir de ça, il a déterminé et combien il va charger tout le monde pour taxe. Alors, il y a une méthode développée qui est le mill rate. Mill rate là, il y a attaché la caille là. Quand il y a mill rate là, son facteur, il y a multiplié par valeur à 16 value caille là. Et puis, c'est à partir de ça, il y a déterminé qui taxe. Ou pas le payer. Alors, taxe a monté, il descend pendant un an. Amen. Le plus souvent, il y a monté. Quelques rares fois, dans quelques juridictions, il y a descendre. Mais c'est monté, il y a monté. Maintenant, l'autre là, c'est assurance. Assurance où, le plus souvent le monter. Ça cause assurance monter parfois, c'est claim qui gagne là à Réa Kotoïa. Par exemple, selon zone côté qui a pris du feu, ou qui a pile crime, il y a tendance pour assurance ou plus haut. Et chaque année, et le conseil, sous gain dommage tout, dans le cas où pendant l'année, l'on a renouvelé assurance dans monter. Les assurances dans monter, maintenant, c'est ça qui cause paiement vient de monter. Mais le plus souvent, comme paiement pas monté dans le commencement année, paiement monté, il des fois monté dans la mi-temps année. Lorsqu'il est l'enfant, des fois en octobre, il réévalue le paiement. Maintenant, il y a une deficiency, il y a une shortage. Alors, shortage, là, c'est ça qu'il fait, il vient voir un escrow analysis qui dit que si tu es payé à pas tasser, la banque met une différence pour vous et l'année prochaine, paiement a continué à monter. C'est ça qui fait des fois qu'on nous gagnons, vous voyez, escrow analysis dans nous, et puis nous douer n'importe 1000 dollars. Nous short n'importe 1000, 1500, 2000 dollars, tout dépend de la quantité de mortgage. Ça, la banque l'a fait, quantité de douer, vous divisez le par 12, vous ajoutez le sous-mortgage, là, et puis vous faut payer. Ou du moins, si vous avez choix, tout, si vous avez coblan, si vous avez cash, vous doit payer. Tout d'un coup, et pour qu'il y ait un mortgage, a seulement un increase qui gagne. Si par exemple, c'est un increase de 50 dollars, son mortgage monte 50 dollars. Mais si, par exemple, si vous êtes déjà doué 1200 dollars, il n'y a pas ajouté 100 dollars par mois pour qu'il finisse payer dans un an, plus 50 dollars qui viennent monter sur le mortgage, soit pour un increase de 150 dollars. Mais 150 dollars, c'est seulement pour un an. Après un an, la tournée seulement 50 dollars de plus de sorte qu'on paye originellement. Alors, c'est ça que pour nous sur mortgage paiement. On va continuer la semaine prochaine. Non. À la prochaine. Bonne semaine. Depuis passé 20 ans, Boussico Real Estate by bon service dans affaires real estate. Yon staff compétent, chargé avec expérience, dans assister clients dans affaires louer, acheter, vendre caille privé comme commercial. Boussico Real Estate licencié dans New York et Connecticut. Adresse 9, Mott Avenue, Norwalk, Connecticut, 203-855-422-00. Au corps de Pax Loba Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de Bécaneuf prépare des plats caribéens ou transcendent des choix tels poissons, tasseaux, grillots, légumes.
BK9 Bar Restaurant, 62 5e Avenue Brooklyn, New York, téléphone 718-789-2176. Renaissance Adil de Kessente gagne un cadre agréable pour recevoir toute femme voyant un garçon correct qui vient travailler dans la société à faire éducation visite. Il est déclié à tout problème santé, immigration, assurance, détente, confort, safety, dignité, client, c'est priorité Renaissance. 2625 Bedford Avenue, coin Flatbush, Brooklyn, New York, 718-408-8891. Francis est un conseiller financier offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Héron, 2174 Brooklyn, New York, téléphone 718-434-5825. Nous saluons tout le monde qui est branché à Haïti Première Classe. Nous avons dit que nous là avec eux et surtout les amis Sao, Dr. Bertier qui est dans le côté de Ticket. Nous avons dit Zeta et en fait Jeudin qui est dans et South Mountain Dressing Home, Linda qui est dans West Orange. Nous avons salué en fait Rose qui est dans Long Island et nous avons salué Luciano. Hein? Bonjour Dr. Fayette, nous avons salué Yves Benjamin Fouem qui est dans Long Island qui est branché l'émission là et consulmen Yves-François Aubou qui est dans Roselle qui a suivi nous et Madame Vilcia André, cousine qui me considère comme une maman qui connaît la souffrir de yon cancer. Nan Asbury Park. Que avec ou. Nan Asbury Park. Et nan pe rappelé tout le monde que Haïti Première Classe sous trois états, New York, New Jersey, Connecticut, li tout online sous haitipremièreclasse.com pour monde qui est en dehors de cette New York, New Jersey, Connecticut là. Nan dit que nous l'ouvrons pour toute annonce, pour tout artiste qui a chanté, qui a écrit et tout le monde qui ont œuvre que vous avez aimé partager avec la communauté. Et si vous avez un business ou que vous avez aimé advertise, et nous open pour nous capables de vulgariser l'information pour. Et nous avons dit que dans New Jersey, nous avons un collège qui est en 68 South Harrison Street dans East Orange qui a été en train de faire 6 semaines, qui a été en LPN, on commence long 1 an, qui a été aidé pour changer de vie, on coûte LPN AN, donc Besker là pour changer de vie, téléphone Besker 973-673-3900, Besker 973-673-3900. Et nous avons dit sur le besoin website, sur le besoin webpage, j'ai avec Renel Desrosiers, 203-644-45-93. Nous avons dit que gain la vérité du club, comme on connaît qui est là pour cette communauté. Avec Wesley Jacques. Wesley Jacques, c'est un gros judoka qui a fait des timonio cultivés dans le Brunsa. Mais comme ça, on a suggéré à l'autre monde dans l'autre communauté pour être capable d'assurer les élèves. Parce que, un bonjour matin. Nous sommes arrivés, nous n'avons pas Wesley Jacques avec nous, mais nous avons compté sur le monde ça pour travailler à continuer. Et nous avons dit que Wesley Jacques, campé là, 917-804-7715, c'est téléphone Wesley Jacques pour nous qui besoin d'informations. Et nous avons dit que Peniel, Church of God, qui fait connaître que l'INA 1147 East Jersey Street dans Elizabeth, si nous avons besoin de l'église, c'est réveillé un pasteur Pierre-Éric Charles qui a dirigé. Nous croyons que le conseil ministre qui a organisé pour le monde. Qui a commencé là tout... bientôt. Et que on petit prix, on petit baril, petit monnaie, il y a besoin de former un certain monde. Diakio. Diakio pour aller des pasteurs. Et puis, il n'y a pas prendre n'importe qui monde dans le cours. Pour avoir une référence, pour avoir dit. Ça, il y a un courrier que l'homme vite. Il faut avoir une bonne vie et mœurs pour avoir accès. Même si tu as l'argent, capable d'entrer dans tout ça. Parce que, et on a dit, parce que Charles fait connaître que en fait, son travail est extraordinaire parce que l'élevé standard, qualité de service qu'il y a dans l'église. Yo. Sous besoin à adorer, il y a l'église préférée pasteur et Carlo Nazaire, l'église de Dieu de la sanctification qui est campée là dans 490 et il s'est à l'avenue dans Orange, New Jersey, et chaque dimanche matin sous East Orange Church of God, qui est dans 439 Central Avenue. Dans nous voyons que c'est pasteur Saint-Pierre Pasteur qui est pasteur qui a dirigé l'église ça. Et nous avons dit que Greenway Pharmacy qui est dans 644 Rogers Avenue, Brooklyn, entre Paxal avec Klaxon, qui est Noval qui parle en créole là, les pick-up, les livres de prescription, et nous avons encouragé les gens pour supporter les haïtiens. Nous supposons supporter les haïtiens. Téléphone Evelyne, c'est 718-462-2029. N'a dit que gen Francis Héron qui spécialisé qui orienté mon surtout dans affaire et de cryptocurrency. Monsieur gen fait affaire assurance sur quelque bagage pour aider mon yo dans investissement pour qui gen y a kembe kobio hop pour faire comme cryptocurrency a prend valeur sérieusement parce que pas gen longtemps de cela, nous entendons qu'il a parlé de lui sur CNN et dans Facebook, il y a envahi presque toutes les réseaux sociaux, et bien mon a investi sérieusement. Sous besoin de détails, 631-855-4615, c'est téléphone, en fait, Francis, et on a dit que chez Miguel chaque dimanche matin, il y a un bunch qui paraît pour monsieur, pas que mesdames, au bord du feu, je vous dis, c'est chez Miguel qui prend et pick-up pour eux le dimanche. Le dimanche, c'est travail là chez Miguel fait pour eux. Et faut nous dire, mon tout, pied coup de prendre devant, parce que quand il a commencé tellement de monde,
qui poil dans bon sens le dimanche chez Mirel, et bien qu'on y a là ces réservations pour y faire. Ça, rien, mon capé, on a dit que il y a élégant dans tout chaque année soir dans chez Mirel qui permet que mon capable distraire pour un petit prix, un petit l'argent pendant que a chanter, danser, manger. Et n'a pas parlé devant des histoires dans les histoires gain le bistrot qui chaque année soir gain free time night côté que me connais que ouais mes poissons là. Oui, moi même bon mal deux fois déjà, mais prochaine fois on va le faire gens là pour m'aller en tête à tête. Tête à tête. On va dire plus. Oh. Donc ça me dans comprendre ça. C'était quand puis l'application bail qu'on a la gain. Oui. L'application tombée. Bon, nous commencer font résumé des applications yo. Non, soit en tête à tête, mais dis bail au fait. Bon, nous réduit application. N'a dit que mauvais nouvelle là-bas rien où là. Bon, la varin ou pas la font idée. La varin docteur Fayette, si on est que me connaît depuis longtemps, Nasbury Park. Trouvé que dimanche passé, mal dans match football dans East Orange et puis me rencontrer avec la varin. Ah bon, votre conseil je connais hein. Pas de conseil c'est monsieur. Même te connaître son lot, non. Ça va le dire que monsieur rentre sur faux papier, non. Là, va changer, non. Non, non, ça va le dire ça. Je me connais monsieur comme Willy, c'est Willy, je toujours connais. Mais là, je me dis ça, c'est Willy. Je dis, mais oui, c'est Willy. Je dis, oh, c'est où? Même m'a parlé de vous chaque week-end dans la varin. Eh, mais moi, je n'ai pas de problème. C'est qu'on est là, je vais faire mon protocole l'avenir. Je vais faire mon vin inscrit. Ou pas besoin de tant que moi, je mourir. Pas besoin de tant que malade pour venir faire un arrangement avec la varin. Parce que monde sérieux, monde de bien. Les qui travaillent dur. Fais arrangement au début qu'on est avec la varin, pas tant nous tomber malade. Oui, après qu'elle saute qu'on y est là, debout la varin, qu'on va sauter encore. Non, c'est pas qu'elle saute encore, qu'on a mal qui mon affaire. Non, au téléphone la varin, 973-399-6301, 736 Clinton Avenue, Wack, Lidou, dans le Zurich Park, 732-397-1763. Et on a dit School of Allied Healthcare, dans 300 motos parcours à New York, qui définitivement là pour moun yo comelte, communication aid, medical assistant, medical billing. Et on the top of it, yo bay moun yo travail, Dr. Fayette. Moun yo comelte, sou kon lisa sou comelte, mais genyen Ideal Healthcare Agency Captain nou qui associé avec Ideal Healthcare. Donc, téléphone Ideal Healthcare, Ideal Agency, 631-509-5602. 631-509-5602. Éducation sur qui clé. Donc, pour moun changer vie, il faut y aller à l'école. Il faut aller à l'école. Et surtout, l'école qui a un job. Oui, pas d'excuse pour ça même. Non, on avait dit qu'il y a un AMH qui fait connaître que là, il y a un voyage qui a préparé pour que Balam, il y a plus de 300 personnes qui sont inscrits là. Oui, voyage, c'est 19 juillet, il y a plus de 300 personnes qui sont inscrits pour y aller. Et il y a capable de monter plus toujours. Et sur la route. Oui, oui. Wow. Oui. Téléphone AMH pour les gens qui sont intéressés, pour les gens qui ont besoin de joindre, parce qu'ils recevront l'application pour nouveaux docteurs, nouveaux infirmières, pour les gens qui veulent entrer. C'est 908-789-0808. Il y a Haïti Plus dans Connecticut. C'est Guy Boussico qui, d'ailleurs, chaque dimanche, parle avec un week spécial sur l'affaire achat et vente de maison. Là. Donc, définitivement, Boussico a mis bête sur Mounio. Et bien, vous vous rappelez Mounio qu'il y a un mandat de vente que le fait, traduction de documents, il fait ou joindre un passeport haïtien. Application pour citizenship, renouvellement Green Card. Donc, il est mon avec tout le bail, en Haïti Plus qui est dans Connecticut 203-244-2504. Guy Boussico. Besoin ça. Définitivement. MGG Production et Computer and Operational Management qui fait tout le monde connaît que il répare les computers, il set up network, il set up website pour les gens qui sont dans le business et de collecter data, organiser data, analyser data, de sorte que les gens qui sont dans le business capable d'organiser des grandes productions. Non seulement ça, pour grandir, pour prendre connaissance dans l'économie, qui parle fort comprendre qui gens l'offre fait business, qui gens pour contrôler point par point, tout ça qui a montré, tout ça qui a sorti. Par exemple, pour faire un restaurant capable de dire mais plus de jours, plus de monde, moins de jours, ça permet de manager pour prendre exactement combien de staff ont besoin, combien de manger ont besoin. Donc c'est ça. Qui mange et qui vend plus. Exactement. Donc c'est l'analyse là que MGA Computer and Operation Manager a payé d'offre. Téléphone 917-509-0146. Il y a une vérité multiservice qui établit dans nos chaînes qui fait tout le monde connaître qu'il fait taxes, transferts, real estate, cargo. Et vous pouvez appeler Horace 5 Robinus 914-846-5257 ou encore 914-576-5492. Enoch Placide, vous pouvez me demander pour là. C'est Enoch qui t'a appelé. Enoch qui t'a demandé pour moi. Bon, Enoch Placide, monsieur son gros artiste peintre que lié. Et nous-mêmes, nous toujours suggéré pour tout Haïtien, pas tant, c'est le bon gros événement, pour aller faire photo, tableau, Enoch Placide. Achetez tableau, gagnez tableau là, caillou, lié important. Et soit pour offrir un cadeau, offrir un tableau, offrir un livre, offrir un bagage qui est conséquent, et que le monde sache garder bagage ça. Les gains en souvenir. Et puis là, pour nous, Enoch Placide, tout comme artiste. Enoch Placide, il dit que il est disponible à l'église, il est dans 9, 17, 2, 32, 10, 0, 4, si tu as besoin qu'on ait exactement qui ça vient comme
peinture que l'océano a pour commander là. Donc il y a une association Haitian American Nation fait qu'on est que 29 juin cabine les gongo qui fait que l'a fait dans Carnegie Hall son façon pour capable aider et en fait by organisation qui travaille dans protéger tout monde qui en domesticité qui dans esclavage dans pays d'Haïti. Ça est important et nous t'a supposé plus mouvement que ça toujours dans communauté pour fixer vers Haïti pour corriger caï en pile monde parce que Haïti besoin en pile aide. Donc il y a un pape pharmacie qui a 11-15 ans qu'on a vu dans entre Bilgoud avec mes pôles qui fait tout le monde connaît que il a pour capable aider communauté à les pick-up de prescription gagner un micro qui c'est propriété pharmacie qui fait connaître que la là pour aider avec prescription et d'eau 7-18-6-49-11-11 7-18-6-49-11-11 importance pour nous capable supporter les haïtiens parce que parler langue il y a aider il y a peut de comprendre il y a beaucoup toute explication qui gens pour prendre médicament et y a même fait livraison pour la caisse. Antoine Coq fait tout le monde connaît que dans 5-24 avril acheter un cousin tout que fait pour monde qui besoin intéressé dans collège il a prend plus master ça pour être capable entrer gain cours avancé en mathématiques cours avancé en anglais. Antoine Coq 347-659-1967 gain négatif pharmacie qui dans New Jersey dans 400 South Boston Elizabeth New Jersey avec Gerdin qui parle langue ça c'est bon la caisse pas non. Non seulement il traduit, il a parlé créole, il a parlé français, il a parlé anglais et il a toujours fait même bagage ça on se dit là et de comprendre qui j'en pour prendre médicament et faire livraison pour là. Et walka docteur Jésus dit vous voyez prescription dans Legacy Pharmacy, Legacy a voyer direct la caillou 908-352-0050 sous gagner et en fait hémorroïdes, hernie ou bien plastique chirurgie ou ta même fait pas gain aucun log docteur pour contacter encore. C'est docteur Yvan Duchel. Donc docteur Yvan Duchel 9-73-6-74-40-42. 18 août cap vin là, sorti midi pour arriver 5 d'après-midi dans chez Mirel et gagner zami moun okay qui fait tout monde connaît que il va le faire geler à New York. Une activité culturelle qui pour aller extraordinaire et qui mandé pour tout monde okay avec zami moun okay à traverser dans chez Mirel pour aller geler. Semble ça a marché, oui. On peut marcher là-dedans, vous voyez. Je vais filer, mais non, marche. 9-17-7-76-46-17. 9-17-7-76-46-17, téléphone là. Et si vous cherchez un côté pour mesdames, vous pouvez faire tête vous belle ou vous connaissez l'adresse. Ah, ça, l'adresse n'a pas gagné. L'autre côté pour y aller, c'est la caille Emma Beauty Salon pour y aller dans East Orange. Et téléphone Emma, c'est 973-677-94-30. Pas oublier adresse Emma, pas oublier numéro de téléphone ça, parce que le 2 novembre, Haïti première classe, monsieur tout le monde qui a venu fête la pour Alkaïma pour fêter. Bon, et Haïti première classe qui a appelé tout le monde que de novembre qui a venu là, la célébré 4e anniversaire retour en onde, son coq en chaîne qui va fête la chez Mirel, et il y a un programme qui a préparé là, il y a un contact qui a fait, on a venu avec détails sur non seulement musiciens qui pourraient jouer, artistes qui pourraient exposer, monde qui pourraient recevoir award, monde qui pourraient jouer dans peut-être dans cocktail hours, parce que nous avons définitivement un programme extrêmement chargé qui pourra le dehors. On a demandé pour réserver date 2 novembre. Hein? Ça qui peut s'intéresser pour 2 novembre, c'est que vous avez mentionné, c'est on semi-foire du livre qui pourra le gagner. Non, en fait, ça, nous gagnons C3 qui a débarqué. Débarqué avec un éditeur en chef, c'est Fred Butus. Fred Butus, hein? Qui a venu présenter mon livre à des centaines d'ouvrages. Pas non plus de livre cap là dans chez Mirel donc pas gain pas à d'occasion ça donc ça c'est aspect ça que en fait l'océano remet la question gain oui. Et structure qui fait connaître qu'il fait photo pour toute occasion mariage baptême communion organisation enterrement et avec GFT caméraman 201 220 43 4 ça soir 9h tapant Haïti première classe après on dans 4h. C'est ça docteur Fayette, passons un bon dimanche. D'accord, merci. Good. We'll be right back.
School of Allied Healthcare fait move dans bel local pour servir Moon Queens à Long Island qui veut entrer dans le domaine de santé. Il offre programme CNA, Cheche Medical Assistant, EKG Medical Billing, Phlebotomie et Pharmacy Tech. Ideal Healthcare Agency, dans même adresse là, une position pour Omelted. Ideal School, 300 motos parcours à Poche, New York, 641-609-5602. Extra Supermarket offre en pile variété de produits alimentaires pour tout haïtien dans New Jersey. Bon en fruits, légumes toute qualité, viande fraîche, bon en bouche, ça fait extra. Très pour toi. 563 Central Avenue, East Orange, 327 Lands Avenue, Irvington, 719 Irvington Avenue, Maplewood, 973-378-37-75. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un SAFRO 3 et professionnel dirigé par Gredin, pharmacien haïtienne vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Rosberry, 516-338-4933. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Les dés sont sur le point d'être jetés pour la présidence de Jovenel Moïse. Après le rejet des invitations au dialogue lancé cette semaine d'abord par le chef de l'État aux différents secteurs du pays, puis par l'OEA, très mal reçu à Port-au-Prince, il devient évident que la messe est sur le point d'être dite. L'OEA a invité l'opposition à utiliser la voix des unes pour détrôner le président Moïse sans tenir compte que l'appel à la démission du président prend une ampleur qui dépasse le cadre des opposants politiques du président. L'incapacité de diriger de Jovenel Moïse, reconnue même par les membres de l'OEA sympathisant à sa survie, suffit pour justifier la nécessité d'un départ prématuré de Jovenel Moïse. Et l'accueil donné à l'OEA par les forces anti-Jovenel indique clairement que les Haïtiens sont déterminés à prendre en main leur destin. Nous arrivons alors à un carrefour très difficile où les vrais problèmes devraient être posés. Un changement de système de gestion devient nécessaire si nous voulons résoudre le problème de l'instabilité politique qui rend le développement du pays impossible. Renvoyer le président est partie de la solution et non la solution. Faire partir Jovenel Moïse et le remplacer par quiconque ne ferait que reporter à plus tard les revendications des masses et perpétuer le problème de l'instabilité politique. Pour s'attaquer aux problèmes majeurs du pays tels la corruption, l'inégalité dans la distribution des ressources, le chômage, le coût de la vie, l'insécurité, il nous faut absolument reviser notre méthode de gestion de la chose publique. Un effort de dépassement, de dialogue et de concertation est nécessaire. Nous devons reconnaître que seuls les Haïtiens sont en mesure de créer l'ambiance nécessaire au changement. Nous insistons sur la nécessité de l'organisation de la conférence nationale souveraine qui demeure une voie sûre vers la réconciliation et la reconstruction du pays. Mounio mandez-moi côté sauvé à Messaya. Moun yo mande mwen kote sauvé a Messaya. Mwen di yo nou tout se frè, nou se pitit yon sel papa. Kon nou se temple en religion, en se l'amou. John Steve Brunach. Chaque fois m'passe New York, et quel que soit côté mie, Haïti première classe, c'est là, Malchita,
pour me parler avec nous. Et c'est Haïti Première Classe que je garde pour me connaître comment la communauté a vibré. Haïti Première Classe, c'est Kaïbama. Et c'est Kaïbama. Et maintenant avec vous, Francis Erwan dans sa rubrique Connaissance, c'est pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Francis Erwan qui est avec nous dans le segment qui est les connaissances et pouvoir. Donc, comme nous songeons, dimanche dernier, moi, tu as parlé avec nous, tu as expliqué nous comment que nous sommes capables de rentrer ou bien comment investir dans une machine ou bien un computer spécial ça, qui mine Bitcoin. Encore, nous connaissons Bitcoin, c'est le premier cryptocurrency qui a été créé en 2008. Eh bien, et semaine, trois semaines de cela, nous capables de dire, Anderson Cooper, sous CBS, en 60 Minutes, tu as un documentaire qui a été fait sur le premier monde qui a enregistré, qui a gagné en pile Bitcoin, parce que Bitcoin n'a pas de valeur, le ça. Côté que monsieur a acheté en deux slices pizza, il a payé 10 000 Bitcoin pour lui. Parce que il pas de importance, il pas même vous en même. Donc le digital, il grand pile en pile Bitcoin parce que le ça c'est une invention en qui était faite, même monde qui a inventé là, pourquoi j'aime capable connaître monde là, mais son bagage vraiment vrai cap créer en pile richesse dans le monde en connait là. Donc nous gagnons l'heure que vous venez joindre avec monsieur, donc lui expliquer comment que il pas connaît importance bagage ça. Et bien as of dimanche et le documentaire ça a été paraît, eh bien, monsieur Tap Gintan gagné en affaire de 800 000 dollars, qui est presque 1 billion de dollars, nous connaissons. Et s'il te kembe Bitcoin, ça va acheter deux pizzas avec lui. Eh bien, c'est comme ça que nous-mêmes, qui vivons aujourd'hui en tout, nous ne pouvons pas regretter une opportunité qui était devant nous, yon baray que nous te connaissons, une baray que Haïti Première Classe était pour te ba nous, mais nous ne pouvons jamais te prendre à cœur. Eh bien, plus tard, peut-être dans 10-15 ans, eh bien, là, nous avons un résultat, eh bien, nous ne pouvons pas regretter. Donc, c'est ça que fait aujourd'hui. Moi, je voulais encourager nous, conseiller l'information que nous pouvons te ba ou, nous voyons, et nous marchons, et nous vrai. Par exemple, Bitcoin, c'est l'homme qui a été créé en 2008, eh bien, écoutez là, il y a plus que 1600 bitcoins en cap fonctionné. Donc c'est ça que fait moi toujours ba nous site ça côté que nous ca aller sur ccn.com en ccn.com nous ca aller puis le fin n'a point market cap en bitcoin par exemple qu'on est là à 137 billion dollars. C'est ça que quantité de monde qui investit ou bien quantité l'argent bitcoin vaut qu'on est à 137 billion dollars. Donc mais gon paquet l'autre qui vient après lui, mais c'est lui-même qui est en première position. Donc, mais pour Bitcoin lui-même marché, il faut gagner mining, compagnie ou bien computer spécial ça, on prend qui pour rendre lui possible, qui pour rendre possible. Donc, c'est ça que fait dimanche dernier, moi j'ai encouragé ou bien expliqué nous comment que gain compagnie qu'on est là nous capable et acheter ouvrir un compte avec compagnie nous ca acheter quantité machine ou bien quantité computer que nous capable et puis le fini chaque grain computer ça a généré comme pour nous chaque jour à la fin de mois et puis compagnie elle pour là elle amène toute l'argent aller dans compte directement chaque jour et bien dans fin mois ou juste payer et frais compagnie chargé pour capable et gérer ou bien host et système ça pour vous, et puis l'elle fini, il paye électricité pour vous parce que le computer ça a brûlé en pile courant. Donc c'est ça que fait, je suis capable de dire, ou capable pas acheter le mettre la caillou, ou capable d'acheter le, mais soit acheter le, il coûte trop courant après le vin trop. Donc c'est ça que fait, le bon, ou payer en compagnie, manage le pour vous, et puis le fini, ou même ou juste chita ou amuser avec profit en seulement. Et aussi, moi toujours parler de assurance de vie. Il est extrêmement important pour nous gagner si nous pas gagner déjà tout dépend de l'âge nous surtout nous mêmes qui gagne derrière nous mêmes qui gagne famille nous mêmes qui gagne monde qui sous responsabilité nous seul moyen que nous capable garantir sécurité économique monde ça c'est une assurance de vie à moins qu'on gagne pile l'argent qui chita dans investissement ou bien la banque. Après ça encore nous t'aimer aussi encourager nous mêmes qui gagne caille déjà pour nous faire sûr que nous connaissons un coverage nous gagnons sur Kaila. Et parce que compagnie d'assurance là lui-même lui seulement prend sa agent et bali au cas aller quand un broker a bon une assurance pour Kayou et puis le fini qui ont liability seulement 100 000 dollars. On prend tandis que ou gain moyen ou sont professionnels et puis le fini ou besoin fait sûr que ou gain 300 000 à 500 000 en liability pour Kaila, pas 100 000 dollars. Ou gagne tout et assurance machine,
ou besoin fait sûr que ou capable augmenter dit docteur Bolla en façon pour capable réduire un prix ou payer pour assurance là tout. Donc très bientôt n'a commencé faire séminaire ici là ensuite pour monde qui gagne caille en monde qui conduit pour capable connaître aussi des techniques comment que capable save cob dans assurance yo là que y a renouveler en assurance yo. Donc li important pour nous gagner connaissance parce que conseil de bail l'on pas connait ni eh bien c'est l'autre monde au bail avantage ça yo. Après ça encore type d'assurance nous parlions déjà nous parlions de term assurance en why pour que ça on obligé acheter term assurance en sous cas effort payer une assurance permanente et pour que ça pour acheter une assurance permanente sous pas capable effort Kimberly eh bien on prend un term de préférence donc tout ça c'est bagaille nous besoin faites sûr que nous continuer et bail information sou yo nous continuer encourager yo ou même pour cap connait et aussi pour cap acheter yo parce que li important petit bon yo madame mon petit tout mortgage yo mais tout bagage ça aussi un monde qui pas responsable pour yo madame c'est ou bien mari ou c'est lui qui pas responsable pour bagage ça yo pour payer yo si que ou t'a mourir subitement parce que qu'on y a nous que presque chaque semaine de temps en temps on a haïtien tomber avec cancer. On va se barrer ça répéter très très souvent. Ce qui est important pour nous préparer, nous, ce n'est pas l'heure, par exemple, nous coucher sur le carbone de l'hôpital, nous ne pouvons pas acheter l'assurance encore. C'est le ça pour nous regretter que nous ne pouvons pas acheter. Donc nous voulons quitter là pour aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse, on passe un bon dimanche. Haïti première classe. Qu'est-ce que là? Situation politique pays d'Haïti, c'est un bagage qui, en fait, demande nous pour nous capables de réfléchir en pile et nous avons tourné extrêmement important qui a passé quoi la semaine là. Mais avant nous venir avec situation et peut-être qu'il y a besoin de parler après l'actuelle présidence. Nan, nous avons avec nous matin et psychiatre nous, Dr Jean Wilfried Altino qui va étudier avec nous situation qui j'en que le affecté mental moun dans pays d'Haïti surtout mental moun pas bon ici tout. Dr Altino et nous connaissons troubles politiques à travers ce pays depuis des temps déjà. Qui j'en pensé que troubles politiques ça yo conflit politique qui a affecté bien la population haïtienne. Docteur Fayette, généralement, tout trouble politique ou tout trouble social occasionne des changements de bien vieux. C'est-à-dire changement d'attitude. Pays a pas jamais stable, pays a gagné des problèmes économiques avancés, pays a pas gagné de travail. Donc, sur place en Haïti, on y a vivre, d'après ça, nous avons brûlé en dépression larvée. Il y a plus de temps, il y a une capacité de résistance, mais malgré tout, les symptômes de dépression arrivent par un café contre. Vous parlez de dépression larvée, qui ça veut dire? C'est-à-dire que mon a vivre chaque jour, il n'est pas en forme, il a gagné 50 sous un petit poule qui n'a pas eu. Il n'est pas sorti. Donc, dépression larvée, il veut dire que mon a est dépressif, mais il a géré toujours. C'est pour la langue pour qu'on sorti. Mais la gagne pour sortir quand même. Non, et pendant pour qu'on sorti, hein, et qui ça causé surtout dépression la vie, qui ça kembel toujours la vie? Ça kembel toujours, c'est parce que le peuple là, son peuple qui gagne en pile capacité de résistance. Bagay qui aurait les résiliences là. Donc, mais, il gagne limite là. Gouman crivé va tomber quand même. Non, le par exemple, dépression la vie a fini, qui next step? Next step là, c'est ça nous relève l'étape dépressive là. Ça veut dire qui j'aime mon yo va sentir le ça. Donc mon yo généralement y a survivre mais gain de mon ou kabwe yo là chaque jour ou te connait mon quel te content mon te connait ri souvent ou mon pas ri encore ou mon te connait visiter mon ou pas visiter mon encore il commence caserner li retenu espace fermé donc li pas gain joie li pas gain fait quel content. Oui mais ça c'est bien vieux ça mais qui gens ça affecte reste mon qui bon côté li yo. De tout le monde qui entoure Lio souffre d'une façon ou d'une autre des mêmes symptômes. Il y a des gens qui peuvent supporter le système mieux et des gens qui peuvent supporter plus difficilement. Et les cas de violence, est-ce que ce sont conséquences de type de milieu, ça, de situation que vous avez là? Violence, assez souvent, sont réaction. Parce que dans le proverbe, là, nous, il y a tout le monde demandé. Ok. Donc, le monde n'a pas une porte de sortie. Il finit par tomber sous violence comme une réaction. Il n'est pas réellement en action, mais en réaction. À la situation. Non, par exemple, qui gens que situation qu'en Haïti a lui-même lui affecté, nous, pas bon ici,
qui en correspondance permanente avec mon en Haïti. Eh bien, nous-mêmes qui ici, nous avons une valvule d'échappement. Parce que nous travaillons, nous avons un petit salaire, nous avons une famille, mais nous pensons à la caille. Donc, pensons à la caille, nous toujours supporter mon yo. Mais entre-temps, qui genre d'espoir que vous nourrit? Par exemple, ou ta cap dit bon, moi ici, je vais investir la caille pour me retourner. Mais sur qui sont pas basés investissement ça? Pays n'a pas gagné qu'à fonctionner. Donc ça vient créer la caillou en état de désespoir. Donc état de désespoir, ça, c'est lui-même qui vient créer ça nous relayons en dépression majeure. Ok, non, dépression majeure, ça qui vient manifester la caillou pas bon ici? Pas bon ici, il manifeste sur le point que quelquefois nous arrivons à une étape nous relayons, nous résignons. Nous. En pile monde dit bon pas tout encore en pile monde dit bon oublier pays hein en pile monde découragé donc découragement ça il manifesté par ou pas gain pièce idée pour dire bon on va l'investir on va construire ou bien on dit ah, toutes les amis qui t'a son bal casé. Là par exemple dans l'hôpital côté de travail qui j'ont senti que pression ça même yo vinn joindre qui a le cas haïtien qu'on joindre dans. Bon, en général, je n'ai pas joué tellement de cas de dépression parce que je rencontre plus de monde qui est dans l'âge moyen. Je joue plus de cas de monde qui a des maladies chroniques. Est-ce que maladie ça est lié avec la situation du pays d'Haïti, à la condition environnement politique là? Généralement, je joue quelques cas de jeunes qui rentrent, qui ont fait l'université en Haïti. Et puis, ils sont rentrés ici, donc ils sont rentrés, peut-être qu'ils ont un rêve. Ils sont arrivés, ils ont un rêve là, pas possible. Et puis, isolement, manque de capacité d'adaptation, fait que les gens se sont rencontrés dans une crise dépressive qui avançait sur un cas où il y a une crise dépressive psychotique. Et qui ont adressé ces problèmes, ils ont parlé devant en tant que psychiatre. Donc, là, moi, quand ça arrive, il préoccupe personnellement. Parce que m'oblige à approcher pour le moment sous non seulement en angle social, en angle socio-économique et puis en angle de sa nouvelle adaptation. Non, est-ce que y a un psychiatre par exemple qui part ici à comprendre, à lire ou à résoudre même genre avant? Non, c'est difficile. C'est difficile parce que y a un cassette pour qu'à expliquer où. Dans le pays nous, on a travaillé, nous chanter, on a bien nous chanter. On a un haïtien qui paraît et puis un psychiatre russe qui sortit pour admettre monsieur l'hôpital involontairement parce que monsieur t'a chanté. Donc, je pense que moi, je devine paraître, je me dis, monsieur, non, la caillou, chanter son bagage qui. Son sorte d'inspiration lié. Okay. Je dis que les affaires qu'on bite la caillou, donc c'est des gens qui ne pas même moi et mon chat, même si je chante, chanter seulement pour encourager l'autre monde. Les gens qui ont fait couture sous machine dans le chanter. Nous jeunes, si nous 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 bien, nous chanter. Donc, il n'est pas un symptôme de psychose, mais il est surtout un symptôme d'adaptation à la culture. Donc, c'est ça que fait généralement depuis là, nous toujours remercier moi-même qui est tout à l'heure présenté. Et éventuellement, est-ce qu'on départ de l'actuel président, vous pensez que ça va déboucher dans tête mon yon? Bon. Sur ce point, je n'ai pas gagné un peu d'espoir parce que tout le monde est supposé que Duval était parti, Haïti n'a pas changé. L'on observe tout notre pays, tant qu'aux Philippines, tant qu'au même en Iran, il n'y a pas de changement qui est fait. La société a été améliorée, mais en Haïti, il allait de mal en pays. Oui, mais pas besoin de corriger dans le pays. Techniquement, sur le plan psychologique, qui sont atteints comme réaction beaucoup de monde dans le départ? Bon, je n'ai pas gagné au départ. Le lendemain, il y a plus d'animation, un plus d'espoir qu'à recommencer. Mais si pendant un moment d'espoir, ça n'a pas gagné fait réellement pour assurer une transition en ordre, la dépression est toujours là. C'est-à-dire que c'est une société qui a vécu dans une chronique dépression. Qui activité que vous recommandez par exemple, et qui va faire dans un pays ou dans la diaspora pour aider nous faire transition hein, dans le cas qu'on tombe Jovenel Moïse? Donc, mon diaspora, j'ai l'impression toujours font un bon effort, un effort de contribution. Mais, pays en général, pas de diaspora assez de possibilités. D'ailleurs, pas même qu'à voter dans le pays. Donc,
sous pas droit de vote ou pas droit ou pas droit de changement. Donc diaspora m'a pas l'impression qu'il y a une grande chose que ça va apporter. Non, activité pour nous faire pour nous couper avec transition hein, pour nous capable faire une bonne transition après on départ je veux dire ce qui soit qui t'a de fait. Ça t'a de fait t'a fait pour gagner en coopération collective. C'est-à-dire que faut pas suspendre pas diviser. Faut pas un esprit unique de changement. Mais esprit unique de changement, ça n'est pas fonctionnel si pas bon éducation faite sur place en Haïti. Parce que tout bagaille, après tout changement, après toute révolution, toujours une étape d'évolution. Étape d'évolution, ça dépend de l'éducation. Mais quel type d'éducation que vous recommandez, par exemple, dans le cas ça? Éducation civique. Parce que le notre type, nous avons grandi, nous avons dans l'éducation civique en pile, ça disparaît. Sur le point qu'on a été une invention d'un nouveau vocabulaire, longtemps, les notables grandis ont enseigné l'honnêteté, mais ça a disparu. Pour le monde a trompé, même bons amis, ils ont le business. Donc, nous avons un processus d'éducation avancé pour nous suivre, pour que ça ait changé. D'accord. Merci, donc là. Gébé ferme. Merci. Maman Fonal, on prend en charge tout problème qu'on a gagné en cas de mortalité. Planification funéraire, transfert quoi à Haïti ou aux États-Unis, arrangement pour résident Haïti, vine d'enterrement pas Boisy. La 2736 Clinton Avenue, Noak Noézé, 973-399-6301. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette, offrant pile service tels que rachet dents, cleaning, plombé dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Le restaurant-bar La Baguette d'Or Bistrot vous accueille pour tous vos événements. Meetings privés, baptême, communion, anniversaire. La Baguette d'Or Bistrot, c'est une cuisine créole de grande qualité dans un cadre exceptionnel. La Baguette d'Or Bistrot, 214 North Main Street, Spring Valley, New York. Moz Tax Travel Services kapè jam pou rezout problème taxe ak voyage communauté. Li planifie toute activité vacances que vous monter avion, bus, train ou sinon bateau. Saison taxe sa, li gen comptable qualifié ak computer bien programmé pour faire electronic filing et faut joindre refund nou sans qu'elle saute. Moz Tax Travel Services 2281 Cheshire Avenue Brooklyn New York, téléphone 7186443696. Bon, samedi passé des gros causé dans local Beskia côté que vous avez t'a fêté 7 années. Donc, en pile, moun fait déplacement. Pile ta fia boue, Nelson ni sou. De toute façon, c'est monté qu'on a l'envoi ambiance. Ça va se tendre à quoi céder. Merci Seigneur, est-ce que vous permettre que Assoya nous capable ensemble avec Zaminou, aux avions qui ont célébré 70 ans d'existence. À travers parole, nous sommes 90, on dit que les jours de nos années s'élèvent à 70, et pour les plus robustes, à 80. Et depuis à Soya, nous nous remercions de ce que vous permettez que Zaminou, aux avions, ont fait un pas vers l'âge des plus robustes. Mais moment ça, Seigneur, côté entouré des parents et des amis, nous là, Seigneur, pour que nous sommes capables de porter la joie ensemble, Bali. Nous demandons pour capable de prendre place, prendre possession dans la célébration ça. Et tout ça, Seigneur, qui gagne et qui est capable de servir dans moment ça, dans le fait ça, dans le monde où va bénir. Que moment capable de bénir. Que la vie de notre frère Rosarion capable de bénir davantage. Et capable toujours faire la joie famille. Dans le monde où assister nous-mêmes qui est arrivé et accompagner ça qui est dans route qui venu. Et permettre que tout le monde capable de faire bien pour la gloire de ton nom. Ces prières que nous allons laisser au par Jésus-Christ. Notre divin sauveur, lui qui vivra au siècle des siècles. Amen. Nous sommes vraiment contents et nous avons fêté Rosarion. Moi, je n'ai pas à comprendre comment faire Rosarion et Chelbert comme ça. Vous comprenez? Et nous sommes contents de nous marier parce que si nous ne sommes pas mariés, mais quand même tout ça, nous avons fait passer contre ménage avec monsieur.
Je ne comprends pas comment monsieur fait en forme comme ça. Et qui t'aime dit nous, moi vraiment content de ce que m'a fêté 70 ans aux âges. Je ne sais pas beaucoup, j'aime capable comprendre parce que monsieur est tellement en forme, tellement costaud, il a 6 packs, il bien réuni, vous comprenez? Donc. Donc mes amis, nous voulons mettre nous dans l'ambiance pour que nous contents. Et dès que nous avons célébré 11 ans, nous, on frère nous. Et moi-même, quand nous avons depuis quelques années, ce sont des gens qui toujours bon en pile conseil. Ce sont des gens qui sont dociles et ce sont des gens qui sont très amicales. Donc, je dis là, c'est parce que nous avons présence pour nos arrivions et dans la vie, nous, qui fait que nous venons célébrer. Si vous avez travaillé, monsieur Ozaïon, là, vous avez pas des amis dans ça. Vraiment, nous sommes capables de sembler, son go naïvien, nous sommes capables de sembler. Papa, nous sommes capables, papa, nous Monsieur Rosarion, il est toujours en souriant. Monsieur Rosarion, c'est une bonne, son bon monnier. Monsieur Rosarion, l'autre avec vous, pour envie vivre. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici ce soir pour célébrer l'anniversaire de mon ami Rosarion. Eh bien, tout le monde parle de 70 ans. Moi, je voulais vous dire que M. Rosarion n'a pas 70 ans. Il n'a que 21 ans. Alors, on va célébrer encore M. Rosarion. Dans 25 ans, on va encore célébrer son anniversaire. Il sera parmi nous, il sera avec nous. Thank you all for coming out to celebrate my father's. I would say he's 25 all the time because that's what he asks. I always say you're always as old as you feel. So in this case, my father is as young as they come. Sorry, I'm not prepared. But I just want to say thank you all for coming and celebrating my father. He's a really great man. I've always looked up to him. Forever. He's my best friend. He's my dad, my Roby. Happy birthday. On compte. 4, 3, 2, 1. Happy birthday. The first dance. Première classe, bon qui choy. Bon, situation politique pays d'Haïti, son bagay qui mande en pile réflexion et nous prenons mon tribord babo qui a réfléchi sur question. Mais qui est-ce qui connaît vérité à qui est-ce qui connaît exactement côté nous prêt à aller? Qui est-ce qui connaît ça? L'autre semaine à poté, matin à ces questions, ça nous prend pour Master Beauplan et le Vécampé qui toujours sur la balle. Master qui ont présentation pays la semaine. Bon, d'abord, salut tout le monde qui a regardé là. Yo. Tout le monde net qui connaît ma sœur au plan va se connaître. Et c'est un superstar ici en Grand Jean. Mon cher, pays d'Haïti, ça va être. C'est pas bon, non?
m'pa ta ramen en place président Jovenel. M'pa konn ki jou jodi a e. 3 jours tan pou jodi a. Il pa facile pou li. Ça que faisait. Parce que haïtien ont décidé pas faire bac. Est-ce que ben plus le monde pensait que par exemple si c'est top et c'est top haïtien ou c'est comme il touché pour y avoir une position ça. M'pa konn c'est vrai. On n'est pas capable de vivre encore. On va dire à vendre la plateau centrale $12, 60 good. On gloss l'huile à vendre $8. On gloss l'huile à gloss l'huile à vendre 40 good. On petit mamie de poids, on met un petit goût de poids à vendre 75 good. On est là, on ne peut pas être. La minute, je parle à pour passer dans mon cabrit. On y ça au fait, peuple de fait. Je prends 3 camions de terre dans mon cabrit. Je mets dans mi temps. On n'est pas capable de passer. Sous ici haïtien et tout bon pour aller en voulait en Haïti à la plage sociale ou a besoin passer en République dominicaine ou va passer dans une belle adère avec plage sociale ou pour connait pour venir on y ça fait yo bloquer pelig allez de voulez ou pas va arriver un oui mais non toute action ça tout pays toute action ça bloquer bout de plateau central bloquer route nord bloquer route sud est-ce que c'est ça que ta réaction normale on peut dans situation ça yo parler pas dans d'eux qu'on est rentré dans désobéissance civile est-ce que mon peuple pas capable encore misère arrête. Si nous en place président Jovenel, nous avons fait ça plus bon. Nous avons tout le pays, depuis le peuple, levé contre le FAO. Chance de gagner en Haïti, nous avons fait une crasse pays avant ça, nous avons fait une chance de quitter le pays, ça va pas aller en prison. Le système judiciaire n'a pas marché la caille. 5-6 juillet, le peuple a été campé, bloqué. Nous avons 17 novembre encore, nous avons bloqué le pays à premier jour. Je ne sais pas, Jean-Marie, qui ça fait quoi que vous allez aller? Tout le monde qui a supporté lui pour arriver à l'élection. Hein? C'est eux-mêmes qui ont levé contre les coups là, millionnaires dans Port-au-Prince. Comment pour masser le plan président du pays d'Haïti pour m'inviter à faire pour ne pas venir? Je ne suis pas chef. Tu n'as pas arrêté? Je n'ai pas arrêté, je n'ai pas arrêté tout seul. Je suis invivable dans le pays. Invivable, pardon, dans le pays. Donc, monsieur, fait invivable pour tout le monde? Président, pour mourir l'eau en tant qu'individu, je ne suis pas même. Est-ce que c'est bon? C'est le problème ça qui gagne là. Et puis, le peuple a révolté pour ça et on dit pas faire battre. Oui, mais c'est tout le monde, oui, c'est le secteur privé, le secteur religieux. Donc, on dit, monsieur, là, vous mettez tout le monde en prison, ils ont dit là. On ne dit pas mettre tout le monde en prison. On dit tout le monde, c'est là, Richel. Oui, Richel. Il a lancé appel Bayo. Bon, mais c'est ancien président, il invité. Même secrétaire, ou bien même sécurité, à pas prendre l'aide président Jovenel. Vous avez dit? Même sécurité qui dit devant barrière, car il ne va pas prendre l'aide à Jovenel, il ne va pas prendre l'aide. Ça veut dire que le pays n'est pas dirigé. Est-ce que nous avons des gens qui comme ça? Est-ce que le pays a des gens qui ont des gens comme ça? Le peuple a bouqué. C'est une raison qui fait que nous avons appelé tout Haïtien qui a vécu par rapport ici. Même les nègres qui ont en Haïti chez nous. Quand le pays a vécu par un député, par un sénateur, par un président, qui est-ce qui a dirigé le pays? Posez-vous cette question. Le pays a dirigé par qui? Qui est-ce qui a gouverné le pays? J'ai l'impression que le président Jovenel est là pour dormir la calle chaque jour. Il doit veiller à commander. Et peuple ça va décider mon frère. S'il tape travail, mon pas gagne aucun problème avec, gagne bon haïtien qui travaille. Ici gagne bon haïtien qui travaille dans pour un jeune type tant que Gandhi Thomas qui est dans consulat général haïtien. Il transforme le consulat général. N'est pas parler avec cop cash, vient faire papier, bagage enregistrement quoi, débit carte ou paraît ou bien avec chèque marqué ambassade d'Haïti là-dedans ou bien consulat d'Haïti. Pas de raquette qui a fait, on est comme ça m'ba quoi vleuel. C'est on a raison de demander moun nou jèzi yo tout pour organiser. C'est pour nous rentrer dans la politique là red ici. Pour nous capable. Mais qui a monté bon politique en Haïti qui n'a pas de là. Nous pas bon en Haïti qui nous organiser nous ici et puis nous. Oh, on a des politiques ici. Oui, rentrer dans la politique là tout pour nous et pour haïtien magistrat là Everton, c'est pour haïtien consulment pas bon ici, dans Spring Valley, Gon Claude Jean-Louis cap marcher là sérieusement là next à valable pour moun Spring Valley voter Miché et ce bonté de faire c'est lui même qui bon. Quand une belle télévision fait là. Toi c'est là y a regarder moi. On qui quand c'était condisciple que mien depuis longtemps cap garder m là elle docteur chéri content ouais matin beau plan ils ont même de longue date et ce point est petit là devant là frère now et président Jovenel Moïse comme on dit que pays invivable monsieur pas quoi survivre et mais qui ont évalué à titre d'opposition vis-à-vis monsieur opposition pas bonne chance encore that's it frère tu vas prendre dans un cadavre gâté lorsque on va dans le cadavre gâté là tout est mort il pas arrêter voulez ou pas faut aller. Ça veut dire même sous elle là, président Jovenel là, il pas diriger rien. Oui, mais... Pourquoi écoutez oui, ministre finance dit pas 5 ans pour payer employé. Pour président pas payer employé. Employé DGI dans Port-au-Prince. Il y a payé ou bien l'enche a payé les $100 américains qui est égal à 10 000 good. Comment peut faire vivre avec ça un costume, col, belle souliers, à marcher avec la pas 5 ans pour faire, il pas cachon go de diri, il a prendre toute journée.
Oui, mais vous posez tout problème économique, ça va savoir, vous n'avez pas de job, pas de l'argent. Est-ce que vous pouvez vivre après, je viens de parler de ce problème ça? Mon cher, on est ensemble, va sauver le pays. Parce que les Haïtiens commencent à avoir conscience. Ils commencent à prendre conscience sérieusement. Là. Si regardez comment va virer dans tout le continent, dans toute zone, yo. C'est pour Haïti qui a un bon Dieu d'elle. Il y a un bon Dieu pour lui quand même. Tout le monde qui a persécuté le pays d'Haïti, yo, bon Dieu a ban nous souffre avec yo. Vous avez un bon Dieu en plus? Sur côté émission radio, moi, tout le monde là, moi, je lis à l'aise deux chapitres de Bible chaque jour. Wow. Je suis allé à la radio, je parle dans la radio et tout. Deux chapitres de Bible chaque jour. Je commence depuis la Genèse, que l'âme là, Jérémie. Et je continue. Mais non, finis la Bible, ça fait. Mon cher, miracle, je ne peux pas faire devant moi ça. Miracle, je peux faire. Si je débloque un côté, je me débloque. Oui, ou dit, tu es ensemble. Est-ce que tu es ensemble assez pour descendre, goût de la cap monter? Est-ce que tu es ensemble assez pour mon cap toucher 100 dollars ou pas vivre? Le secteur économique, là, c'est lui même qui gagne 20 l'argent, 20 pays à la main. Il ferme l'élevé et il ouvre l'élevé. Bon, je ne sais tellement, je ne pas penser. Ou bien, par exemple, on a dit Master Beau Plan, ou bon, tu es Nations Unies dans le pays, comme ça, et Master Pro Blanc ou Contre Blanc, et pas ça. Les Nations Unies dans le pays, il faut être, ma bo, dans la zone de la Caraïbe, tout jeune net a touché un dollar américain. Ça veut dire dollar psychique. Jovenel, tête creuse, paraît, il dit tout blague fait ou tout, le président, je suis le président de tous les Haïtiens. Le président a parlé, c'est fini. Et ça le dit. Et ce moment là, il dit ça. Qu'il y a là, il n'y a pas de peuple. Là, il y a une élection, moi, je suis un membre du conseil électoral provisoire qui dit que pas cité non, qu'on n'aime pas cité non. Qui dit que les bulletins sont en bureau de gain, sans mon bureau de voter. C'est fini. Les bulletins, je venais là, venir, ou bien côté, côté je venais là. Ils mettent 1200 mon là-dedans. Le président a été passé, passé. Oui. Mon connaît pas papa là avec. Et soit met dans la cité non. N'est-ce que coquin pour Jovenel? Oui, coquin n'est la bagarre élection vrai mon cher. Côté Jovenel de président. Mais pas président. Bon, OK, même l'état gagne 500 000 voix. Combien millions haïtiens qui bon qui gagne l'âge pour voter. Pour l'état gagne 500 000 moun voto, qui quantité millions pour y aller qu'a prendre la rue là qui mande. Bon, qui sont souhaité exactement pour y après départ Jovenel même. Allez Jovenel et puis pays à organiser. Non mais qui gens qui sont pensé de faire pour l'organiser? Non, on tête ensemble. Ouais, on commencer. Ou pour boule lorsqu'ils vont campagne la fête. Ou pour toute partie politique commencer à mettre tête ensemble. Ils ont commencé à voir Haïti pas qu'à prendre cours encore faire. Haïti pas qu'à prendre cours. Vous connaissez dans la zone Maïsad, côté de faire études primaires. Pour aller là, de l'eau offrir après moun. Moun a mouru toute journée là, 24 sur 24, depuis que la pluie tombe. Je venais aller là 10 fois là-bas, moun menti là-bas. Quand je suis dans la télévision nationale, je m'en parle d'un président, c'est qu'il n'y a pas qu'à prendre soin. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire nous voulons qu'on va faire qui fait. Vous pensez après débat, monsieur, après débat. Et je crois ensemble, Aïssa, Aïssa, après réunir ensemble. Après monsieur, nous ne pouvons pas prendre encore. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci, ma sœur. Très bien, Fayette, c'est ton plaisir. Ok, good. C'est 20 ans Boutique Real Estate by bon gens service dans affaires real estate. Yon staff compétent, chargé avec expérience, dans assister clients dans affaires louer, acheter, vendre caille privé comme commercial. Boutique Real Estate licencié dans New York et Connecticut. Adresse 9 Mott Avenue, Norwalk, Connecticut, 203-855-422-00. Au corps de Pax Loba Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de Bécaneur prépare des plats caribéens ou transcende des choix tels poissons, tassos, griots, légumes. Bécaneur Bar, restaurant 62, 5e avenue Brooklyn, New York, téléphone 718-789-2176. Renaissance Adil de Kassente gagne un cadre agréable pour recevoir toute femme voyant un garçon correct qui vient travailler dans la société à faire éducation visite. Il est déclié à tout problème santé, immigration, assurance, détente, confort, safety, dignité, client, c'est priorité Renaissance. 2625 Bedford Avenue, coin Flatbush, Brooklyn, New York, 718-408-8891. Francis est un conseiller financier offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Héron, 21 74 au centre de Brooklyn, New York, téléphone 718 434 5825.
N'a pas salué tout le monde qui branché à Haïti Première Classe, n'a pas dit que nous là avec eux et surtout les amis ça eux, Dr Bertier qui n'a pas dit que n'a pas dit et en fait Judin qui n'a et South Mountain Dressing Home, Linda qui n'a West Orange, n'a pas salué et en fait Rose qui n'a Long Island et n'a pas salué Luciano toi. Hein? Bonjour Dr Fayette, n'a pas salué Yves Benjamin Fouem qui n'a Long Island qui branché mission là et Consulmen Yves-François Aubou, qui n'a Roselle, qui a suivi nous, et Madame Vilcia André, cousine, qui me considère comme une maman, qui connaît la souffrir de un cancer. N'as-t-il que pas Dieu avec vous. N'as-t-il pas. Et n'as-t-il. Ingénieur Bozil, vous dit que nous-mêmes qui en deux dans la communauté, nous avons joué un rôle plus actif dans le processus qui a pris là. Qui ont défini le rôle par nous? Remarquez que. Après le tremblement de terre 12 janvier 2010, il y a une seule proposition d'envergure qui englobait l'aspect technique et qui taclait, qui essayait de tacler en tout cas, le problème réel que nous la donne. Après ça, tout est politisé. La conjoncture, ça n'a pas vivre là. Voir un côté grand pile compatriote et me respecter ça. Oui, ils ont tenté de faire des propositions de solutions. Ils ont tenté de faire des voyous. Mais on a remarqué que toute proposition a prédominance politique. Imaginons un instant où on a une stabilité politique comme ça. C'est là où on retrouve devant panorama, problème, challenge, défi dans le pays. Que c'est environnement, que c'est santé, que c'est sécurité, que c'est éducation, que c'est tout ça lié. Sont malins. Et c'est là, nous t'ai signalé dans la dernière entrevue, campagne politique en Haïti ces derniers temps, ces dernières années, ils ont fait avec slogan, avec parole en l'air. Personne ne parle à leur programme, ils ont mis sous table pour décortiquer. Et c'est là que je parle montrer légèreté que nous gagnons, l'habitude nous. Au grand pile monde qui a supporté certains secteurs, mais dis-le pour qu'ils soient supportés. Bon, moi, programme, est-ce qu'on lit le programme qui était gagné? Personne ne va connaître. Donc, nous avons une zone très superficielle, nous-mêmes de justement. N'a cléon en pile bagaille sous tête non particulièrement connaissance c'est là oui c'est mouvement ça ou pas qu'à intervenir directement là puisque nous pas de jambes positionnées non et me dit malheureusement encore c'est une situation de plus que n'a raté parce oui, mais... que nous pas de parer et nous pas de positionner nous pour nous déjouer en partition sérieux dans le moment ça. Oui, mais qui démarche pour nous faire pour nous préparer, non? Pour justement. Parler pour intervenir. On va commencer par le commencement. On va aller dans le que tu as peut-être surpris. Nous tous voulons un impact politique en Haïti. Nous voulons faire politique. Mais nous ne pouvons jamais être une structure politique. Ça peut empêcher un fonds de politique, pour exemple. Ça peut empêcher un fonds d'organisation qui a une structure politique pour nous faire. Pour exemple. Oui, mais est-ce que... Et dès lors, ça empêche nous structurer le niveau tel que nous mettons sous table des approches très élaborées qui prennent le challenge, aspect réel. Ça n'a pas les sacs pour changer système, sacs pour changer approche, sacs pour changer structure, etc. N'a pas les pays. Mais en pile, mon gars dit nous que nous deux, on ne va pas comprendre la réalité terrain. Ça, son jouet. Son jouet, et me pense que plaisanterie en durée trop. Je ne parle pas à un camarade qui te dit, mais si, ou même qui dit, mon connaît, et c'est soit bon comme résultat, je ne parle même pas connaître. Non, c'est le problème. Non? Qui ne sait pas connaître, en fin de compte? Qui ça moi ici? Parce que bon bagage qui est important. Je pense que ça qui a déroulé là, autorisé nous, dit à tous compatriotes, en d'un coup dehors, Haïti pas pour personne, monde dit plus que l'autre. Pays a en bas pour nous, ils suivent nous et ils ba nous pression, n'importe qui côté. Si vous regardez par exemple, jodi a la, ça qui a passé là. Qui ça autorise on nèg di ou? Qui sont pas connaît doit vivre dehors, qui sont pas connaît là. Oui mais vous parlez d'une intervention politique, mais il y a monde qui pense qu'une intervention sur le plan économique t'a capable payer à plus pour ça permettre tout puis entrer dans le système là et faire une différence. Écoutez. Expérience montre que l'on besoin faire des approches d'envergure en dedans pays, faut gagner accès au levier de commande. Autrement, il y a boycotto. Autrement, tout, ou pas de espace pour entrer là-dedans. Il n'est pas obligé, c'est moi-même, c'est vous-même directement qui brigon poste politique. Mais cependant, il faut capable de prendre
position pour aider à orienter le pays dans une direction où fait ça relais une participation citoyenne dans la décision. Comment nous ne pas jamais réaliser? N'a parlé là journée aujourd'hui à des mondes que normalement si nous t'es sous main nous qui pas jamais doué dans position aujourd'hui. N'a parlé de dégâts fait là que si nous t'es sous main nous qui pas jamais doué fait. Nous nos zones de complaisance, nous nos zones de spectateurs. Gagnant nous même qui compte par exemple c'est pour peuple à faire s'il casse mais tout nèg chita à en distance. Sous besoin est qui gens nous pas productif. Al jeter un coup d'œil dans les réseaux sociaux. Pour les gens nous écarter, les gens nous diviser, les gens nous gagne tout problème. Dehors ou en dedans nous gagne même profil là. Mon mot clé que tu parles là le m'apprendre là, c'est mentalité. Hein? C'est mentalité. Hein? Bon qui ça pour croire que avec création parti politique dans la diaspora nous parle nous capable réellement faire une différence. Excusez-moi. Pas dit un parti politique a fait différence là. N'a posé problème là pour nous sortir dans une zone de complaisance. C'est qui ça nous voulait faire? C'est même genre. Si ce n'est pas politique que vous voulez faire, ou intéressé à filière finance, ou intéressé à un impact économique dans le pays, ou intéressé à investir dans le domaine, eh bien, on prend des actions. Ma bon exemple simple, on en a parlé. Nous avons des compatriotes qui écrit déjà sous création d'un fonds haïtien de solidarité. Pour ça empêcher de visiter, l'explorer, le prendre ça bon la donne et créer les fèles. Ou pas toujours des réticences, ou toujours des monde qui pas fait. Parce qu'il y a des monde qui cherchent excuses pour ne pas agir. Parce que nous comprenons bien, l'on passe toute vie ou pas habitué à faire des bagailles, l'on vit dans une situation pour faire, ou plutôt chercher excuses au lieu de jeter le de loi. Cependant, le moment qu'on y a là, c'est l'homme parler de ça, c'est dit, me dit, quel que soit ce que vous faire, on nous prend disposition concrète pour nous faire. Non seulement pour cet modèle, mais pour commencer à rentrer dans une stratégie qui pour prévenir certains bagailles par arriver. Qu'est-ce qui va se passer là? Même bagaille. Domination, même bagaille, il y a des gens qui ont chauffé, il y a prévu une autre mission, il y a bossé, il y a bossé, tout le monde qui a un cob blanc, mais encore, il y a le business car il y a le remarché, business et market, il y a le remarché, et les mêmes histoires. C'est pour nous réaliser que nous devons une injustice sociale qui est aussi vieille que l'indépendance, création pays d'Haïti. Nous pas gain loisir, c'est ou bien nous pas parler ou bien si n'a pas rentrer dans la bataille, c'est pour nous rentrer dans la bataille en grand monde. Nous sommes génération condamnée pour nous faire minimum avant nous disparaître sous scène. Nous non pays qui caractérisé par une injustice sociale qui là depuis les pays en fait. Premier Blois en 1806. Mais c'est pour nous rendre compte aussi longtemps que il y a des monde qui connaît au pire monde passé monde, il y a des monde qui pas monde aussi longtemps dans vieux clivage, dans vieux tout. Nous parlons de bataille. L'élève dit nous créer des mouvements politiques. Même pour politique ici, tout son gourmet tout azimut, tout son gourmet pour mener tout partout. Même jeunes nous ici, c'est pour nous citer, pour nous remplir certains couloirs politiques ici tout. Et pas tant pour nous bataille, nous avons bâillé des mauvais exemples. Quittez vous aller occuper couloir parce que quand même, si vous avez une présence dans la politique ici, et nous avons de fait, complaisance nous, histoire nous, complicité en pile nous, fait que. De fait, ici, traitons un éléphant dans le salon à Kayo. Qui chance de succès ou initiative pour un parti politique ici? Moun kap fait le pouvle le fait pour le faire succès. Ou ap toujours un moun qui critique ou et en ce sens que, oh non, non, pas. Écoutez, m'a pas un problème. Mais mettre sous table là un bagaille qui a remplacé une position comme ça. C'est des démarches ça qu'on nous fait. M'a pas d'accord à son démarche facile que n'importe qui d'âme fait, n'importe qui monde fait. Maintenant, à qui ça n'a pas ces mêmes gens? Faut le système n'a changé. Fin, conférence nationale, ma pour dire encore matin là. Conférence nationale, son espace de débat. Ce n'est pas initiative conférence nationale, là, qui parle de matière pour mettre dans l'espace là. Faut parler. Mais il y a changé de région. Faut peut-être changer, non? Les régions ne peuvent changer parce qu'on dit conférence nationale. Règle a changé parce que nous prenons le chita, nous prenons le dit, mais de qui ça nous prenons le parler. Oui, mais il va le redéfinir, règle, c'est ça, c'est la conclusion. Il faut le redéfinir, règle. Oui, mais règle n'est pas pour redéfinir pour contre. C'est moun qui pour venir avec proposition pour redéfinir. C'est là, oui, question. C'est dit, Mabdou, que gon travail quand même de préparation, gon travail d'implication et gon travail qui permet de nous lever bas là, bas là, trop bas. Bah, la politique, l'on pays, l'on vie, nation, encore pire, le pays d'Haïti, pas qu'à fait avec slogan, avec promesse vide. Là, tout ça qui a passé là,
Dans tout ça qui a passé là aujourd'hui, on dit que et ça peut être majorité mon abdon, il fait plop demain si Dieu veut. Mais on est encore dans la bêtise. C'est à toi. Bon vide qui parce va... que c'est pas première fois n'a vidé à terre un monde ou bien un groupe de monde parce que gagné une question de méthode. Est-ce que nous gagnons un bagage en main nous? Est-ce que nous commençons à positionner nous? Est-ce que nous commençons à préparer nous? Et c'est l'absence de leadership ça qui toujours lague le peuple là pour contre lui. Garde qui dernier coup de poing plus près de nous. Contrat social. Une super chine, fast footaise. Je prends un peu le contrat social, je vais mettre manger pour, je vais forcer, je vais faire ça, je vais changer condition de vie. De qui ça n'a pas parlé aujourd'hui là? Donc c'est qui l'a comme ça va-t-il pour les gars là? et pense que n'a pas analyse sérieux, on pense au tak après et mouvement économique là tout, on tak après tout l'autre aspect que nous t'a capable dire, mais n'a pas un débat spécifique sur ça sur affaire parti politique là. Non mais écoutez, pourquoi pas? Nous avons habitude et c'est un héritage lié. Et n'a parlé de déconstruire une mentalité qui kembe nous prisonniers. Hop, mal en politique, nous pas faire politique, sous pas faire l'affaire pour vous. Bon, OK, donc n'a pas rendez-vous pour nous faire débat politique là, n'a venir avec détail sur ça. Au plaisir. D'accord, merci. Haïti première classe, bon qui choy! Bon, nous arrivons dans le dernier tranche programme. Nous avons supposé une nouvelle qui sont en Haïti qui t'a dit nous exactement qui plan gagné pour redresser et ça qu'a fait en Haïti. Mais cependant, monsieur Bolitio n'a pas arrivé pour une décision dans le moment que l'émission a fini. Mais cependant, comme nous avons maintenant l'OEA en Haïti, l'OEA, d'après lui-même, le fait qu'il y ait côté beaucoup de gouvernement. Contre volonté peuple là qui m'en est départ, président Jovenel Moïse, avec tout parti politique, tout secteur politique du pays, qui m'en est pour monsieur quitter le pouvoir. Et nous pensons que ça prend du temps, monsieur le président, par incapacité pour le diriger. Même l'OEA qui, ça c'est pas cela, dit que le président pas diriger, il m'en est pour le diriger, comme quoi tu as gagné un porte de sortie président. Et donc, situation en attente semaine prochaine pour capable venir avec décision que le secteur politique là, prend ensemble. Et ça qu'a discuté, c'est que monsieur reconnaître que le pays a, après aller sur une mauvaise roulette, grand pire changement pour faire ces conférences nationales, parce que conversation très positive en dans le pays, en attendant le résultat. On a dit que ce matin, Haïti qui veut faire un match 2-1 sous Nicaragua. Et demain lundi, il y a pour la jouer dans Red Bull Stadium, dans Harrison, dans New Jersey. On a encouragé tout Haïtien à faire des déplacements pour supporter Haïti qui va jouer contre Costa Rica. Pour nous comprendre exactement contre Haïti, techniquement, côté de pour aller avec nous. Un spécialiste en football là, c'est Hugues Joseph. Hugues, qui attention, qui joue le match haïtien. Mon cher Mabdi, tout le monde, bonsoir. Nous venons là à la radio Haïti, télévision Haïti, première classe. Puis, ça fait longtemps, nous avons besoin là. Mon cher, une fierté pour moi d'avoir été ensemble avec vous. Parce que nous sommes connus dans la communauté haïtienne. Là. Pendant des années, je suis vous. C'est un plaisir, réellement plaisir. Et je salue la communauté grandiosement. Et pour nous parler de football, pour nous parler de ça, me comprendre. Qui ont évalué la performance Haïti dans le match Nicaragua 2-0? Bon, on commence, et les spectateurs qui ont gardé nous, qui ont attendu nous, on a gardé le premier match qui a été joué face avec l'équipe Ben Midland. So, une équipe haïtienne qui avec des joueurs qui ont pile d'individualité, mais sur le plan collectif, il n'est pas réellement répondre avec le besoin de la sélection nationale, mais le besoin du peuple haïtien, c'est de gagner, Haïti gagner. So, moi-même, pendant ma parole là, ça fait un plaisir, Haïti dernier. Et le deuxième match que nous jouons encore là, encore, jusqu'à présent, malgré T0, mais ça va faire moi-même, étant comme ancien joueur de la sélection nationale, un plaisir, un véritable. Comme tu as dit, Haïti pour aller plus loin qu'écouter le palier. Mais c'est la victoire, c'est la gloire, c'est ça tout. Bonjour, Lito. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut vous mettre demain? Non, un match le 24. Match avec Kosaika, Red Bull. Le 24, mon capitaine de nous qui aime le football, parce que nous connaissons tous les Haïtiens, c'est même déjà avec les Brésiliens, sur le aime le football. Il a fait des placements, et la communauté haïtienne, non, mais pourquoi pas, Tri-State là, et New York, il a fait des déplacements grandiosement à Boston, déplacé, pour faire garder la section haïtienne. Non. Mais moi-même, de côté PAM, pas tellement senti que. Pas optimiste. Pas optimiste, non. Pas optimiste par rapport à ça, me comprends. Est-ce que c'est qualité et football et Costa Rica? Ou bien peut-être non pas à point, ou dis-nous individualiste, non pas un jeu collectif là qui fait ça. Définitivement, c'est pas une équipe peuple là qu'on est. Donc, l'école, par exemple, je me rappelle, si je fais une rétrospective du football haïtien dans les années 73,
c'est tout à fait différent par rapport à ça. M'a regardé je dis là 73 on était à peine 11 ans à une à un moment dans le match football les Haïti a joué et Mano considéré son nèg qui marque l'époque et Mano considéré comme 51e joueur au football mondial il a marqué deux goals. Je te dis que c'est goal chasse pas nous d'abaille mais c'est goal c'est des magie mais c'est pas et pas réellement ça donc Mano, cette connexion Mano avec le public doit penser qui motiver, qui chauffer, qui bat le force pour le bagarre. Non, mon nom est en pile qualité. Pile qualité qui. Je veux dire, même moi-même, je cherché. Moi-même, je pensais que même depuis bon joueur que Mano. Techniquement, il perd pied. Mais Mano, c'est les jeunes footballistes. On sert bien. Ça va rien avoir. C'est le résultat de compter. Mano, c'est la fierté. La okay, non, match demain et avec Costa Rica. Qui match, match le 24. Avec Costa Rica. Jeudi à 20, dans 4 jours encore, Haïti face à Costa Rica. Et si je regarde collectivement Costa Rica, pour moi-même, il est déjà gagné. Mais il était comme haïtien. Nous avons 5 kilos de désalignés. Parfois, il y a des discours. Si Haïti perdu, okay, on dit par exemple que théoriquement, Haïti perdu face à Costa Rica. Ça, qui est le capitaine nous? Le Mexique. La bonne deuxième position. Wow. Nous déjà qualifiés déjà. Maintenant, si nous faisons une différence de Kabat Costa Rica, on sait le bagage qu'à comprendre de Haïti par Bermude, Haïti par Nicaragua. Le dernier match Haïti face à Costa Rica à Port-au-Prince, il finit 0. Malgré collectivement Haïti par Hambre, mais pas de trop fiasco. On a souhaité qu'il n'est pas aussi facile pour Costa Rica. Non, ok, on regarde après Costa Rica. Si nous perdons, nous allons bas dans le Mexique. Ça veut dire que oui, match ça, nous matériel. Nous ne pas jamais dire le fini. Parce que moi, je face avec le Mexique, côté nous perdons 1-0. Et à Trinidad, on match côté habitlaté. Bah, le Mexique est oublié. Par contre, ce n'est pas un problème de langue. Et, parce que là, on ne parle pas de langue qui habite la balle. Parfois, il y a avantage qu'on va venir. Ok. C'est, mais, si on va rentrer dans la cuisine, on ne peut pas qu'il y ait une chalette. Ça m'a parlé, c'est par rapport à des de jouets. Vous comprenez, un match international, ils ont un paquet de bagages, ils ont fait des langages quand même, avec l'habitude. Ok, non. Et par exemple, vous dites que l'affaire collective, là, c'est manqué. Qui sont pensés que tu as solution à un problème ça pour l'équipe nationale là? Bon, il n'est pas aussi facile pour t'arranger le coup là. Non. Et comment, moi-même, je suis un bagage, je suis un coup, et mon capitaine de nous tous, fanatique boule, qui aime boule, je suis écrit un discours dans le football, avant le match. On a essayé de dire que nous avons un haïtien par rapport à ce que nous allons jouer face avec la France et puis nous faisons une rétrospective de Kretapéo, bataille de Vétière. Et puis le café haïtien a doublé, a triplé même. C'est ça, même dans le football. On a pas historique, nous avons fait des doublés. Évidemment, ça existe. Ça existe. Non, ça veut dire que nous n'avons pas encouragé que nous faire des déplacements. Et pour aller dans le stade Red Bull, là, pour aller supporter l'équipe nationale. Ça. Dans ce vous-même, vous êtes déjà là parce que. Non, ma plan. De toute façon, avec Maïe Rouget. Non, je ne vais pas regarder l'image. Et ensuite, championnat de New Jersey, by the way, qui vient de. Bon, effectivement, il y a un gros pas qui fait quand même dans le championnat de New Jersey par rapport au maillage entre la musique et le sport. Mais malgré timidement, la carence des footballeurs qui existait à New Jersey, il ne va pas permettre des spectacles là. Très bon, mais comparativement à l'année dernière, c'est tout à fait différent. C'est quand il y a monde qui fait des déplacements pour aller et dans les trois dernières journées qui jouent. Et prochain match, hein? Prochain match, oui. Le prochain match, c'est le 30. Dimanche, c'est un match par rapport à okay. Le prochain match, c'est l'équipe des Dunes, hein? Non, le prochain match, là, des Dunes, c'est Max, c'est un bagage qui est considéré comme derby. Derby. Ça veut dire que parle plein de gars. On pense qu'il est des Dunes. Ça, c'est pour le 30. C'est pour le 30. Même équipe, par exemple, Young Stars, et considéré comme des jeunes joueurs âgés. 20 ans, 21 ans, c'est... Walka Limoun. Moi-même, bon. Un match qui bague nous a perdu, par rapport à si je perds du map dehors. Et nous sommes... Et pas le dehors. C'est compétiteur mien, nous sommes qui toujours aimé. Donc... Et nous en fait un. Et nous avons là, nous avons bagué pour dimanche prochain, pour l'autre intervention sur le football dans le contour, mais nous avons dit tout le monde que... Et... Songez bien, demain et lundi, dans Red Bull Stadium, à qui l'a exactement mangé? Le match va commencer 5h. 5h. Donc tout le monde New York Jersey Connecticut est à grand pile trafic. Donc c'est pour vous qui êtes en route la vite, pour vous aller pour supporter l'équipe nationale là. Et la promesse est qui était dans notre temps ça. Et nous allons vous dimanche prochain pour l'autre section sportive avec
Hugues Joseph. Hugues, merci. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Idea School of Allied Healthcare fait move dans un bel local pour servir Moon Queens à Long Island qui veut entrer dans le domaine de santé. Il offre des programmes CNA, Cheche Medical Assistant, EKG Medical Billing, Phlebotomie et Pharmacie Tech. Idea Healthcare Agency, dans même adresse, a une position pour Omelted. Idea School, 300 motoparcours à Poche, New York, 641-609-5602. Extra Supermarket offre en pile variété de produits alimentaires pour tout haïtien dans New Jersey. Bon en fruits, légumes toute qualité, viande fraîche, bon en bouche, ça fait extra. Très pour toi. 563 Central Avenue, East Orange, 327 Lands Avenue, Irvington, 719 Irvington Avenue, Maplewood, 973-378-37-75. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un Safrou 3 est professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue, Rosebery, 516-338-4933. Ici, madame, monsieur, pour enfin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous. Chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973-568-7447 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de ce programme, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment nos éditeurs Eddie André et Nicolas Stewart, nos caméramans Jeff T. Alexandre et Joseph Rosaillon, notre maquilleuse chez l'agent, assisté de Franck Charles sous la direction de l'ingénieur Nel Sony Puyallu. Nous vous rappelons ce matin, vous avez rendez-vous avec le brunch de chez Mirel à chez Mirel Long Island, ce soir 9h sur le 91.5 FM pour votre émission de radio Haïti Première Classe. Bon dimanche.